Bonjour YouTube, j'ai vu Kaamelott tout de suite, hein, mon avis sur la fin. Alors je trouve qu'en fait c'est un peu dommage que... Non. Imagine le prank. Imagine le prank, t'allumes la VOD YouTube là et tu... Attends, attends, putain, le con. Alors j'ai eu Kaamelott, j'ai bien aimé, on en reparlera évidemment. Eden Streak, All Chapters. On va faire la 121ème qui sera une run Blue Baby. On est samedi, on stream normalement jamais le samedi, mais là j'ai pas streamé le vendredi. On a fait un petit échange, un petit switch dans la semaine. Donc c'est parti pour voir ce qui se passe sur notre 121ème run. Avec un Sadonion et une Erki. Attention. Attention, attention, la Erki en starter. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 YouTube. Il n'y aura peut-être qu'une run dans cette vidéo. Peut-être que dans 3h30, on est encore en train de jouer sur la même partie. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. La Celtic Cross. La Celtic Cross, et du coup on a déjà des super stats, hein. La speed normale, le tir rate incroyable, les dégâts normaux, la range meilleure que normale, shot speed pas terrible et luck à chier, mais ça va. La touche rigged, hein. On a la touche du rigage. Hein. Après le rigage, en vrai ça peut aller très vite, hein. il suffit que ça se passe un peu mal dans les premiers étages et je vais vite revenir au début. Hein. Je vais vite revenir au début. Mais est-ce qu'on préfère un start Erki qu'un start Rock Bottom? Je ne crois pas. Là, j'ai vu une vidéo de touchette là, cet après-midi. Enfin, pas littéralement, mais j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui par pur plaisir, voulait dire « Ouais, Rock Bottom, tout le monde dit que c'est incroyable. Moi, je vais vous dire pourquoi c'est pas si ouf. » Et le mec, il fait... il explique en fait le système de dette sur Rock Bottom pour dire « Vous voyez, en fait, quand même, c'est pas si dingue, machin. » T'es en mode, mais mec, tu te rends compte de ce qui se passe, là? C'est l'explique qui te dit, regarde, si tu utilises Book of Belial, tu gagnes du damage, donc plus 3 de dégâts, et ça redescend pas. Mais comme c'est censé redescendre, derrière, tes prochains dégâts, ils vont dans le Book of Belial. Et t'as envie de lui dire, mais mec, tu comprends que t'as quand même eu tes plus 3 de dégâts 10 étages plus tôt, en fait. Je veux dire, des fois, dans ta run... Les 3 dégâts up que tu vas ramasser plus tard et qui vont pas compter parce que tu les as déjà gagnés avec le Book of Belial, bah voilà quoi. Enfin, tu les as eu Basement 1 là, enfin, ou Cave 1. Tu vois, t'as pris Soymic avant Polyphème. Hein. Ouais, mais c'est genre des. Enfin, en plus, c'est des cas où tu peux jouer toi-même autour en fait. Enfin, c'est pas. Surtout que Soymic, non, Soymic, y a pas de dette. Soymic, c'est pas temporaire. Soymic, c'est censé te. T'enlever énormément de dégâts et te booster ton tier rate, mais là ça va juste pas t'enlever tes dégâts en fait. Y a pas de question de dette. La dette c'est que sur les trucs temporaires. C'est si tu rentres dans Star of Bethlehem et que tu ressors, là tu dois des trucs à Rock Bottom parce que normalement quand tu ressors tu perds les stats. Mais bon. Après peut-être que Soymilk a un impact particulier avec une dette de dégâts, mais c'est tellement. En vrai c'est tellement ridicule quoi. L'objet est. Il est broken. Enfin. Le fait de ne pas enlever une stat temporaire, c'est broken, parce que derrière, certes, tes prochaines stats, elles vont aller dans la dette, mais c'est plus tard, en fait, c'est le futur de ta run, t'as déjà tes stats en avance. Avoir tes stats en avance, c'est craquer. En fait, j'en ai rien à foutre que mes 4 prochains damage up, là, tu me mets plus 7 de dégâts, j'en ai rien à foutre que tous mes prochains damage up de la run ne comptent pas, hein. J'ai mes plus 7 de dégâts à basement, j'en ai à branler, moi, que mes prochains damage up, ils comptent pas. Si tu me les donnes au début, je suis content, hein. T'as eu le Chili avec Rock Bottom, la dette, j'en avais rien à faire. Mais c'est ça, en fait. Bah après, il est pas non plus véhément, le mec. Il dit pas, c'est à chier, machin, mais... J'ai pas trop compris la touchette de revenir 15 fois dessus. J'étais en mode, bah ouais, c'est bien, mais... Enfin, l'objet est fort, quoi. Merci Dacta pour les 4 mois. 4 fois plus de piment. 4 fois plus de piment. Putain, je mangerais bien un petit piment, là. Après, on a mangé un McDo de la honte ce midi, donc... McDo de la honte juste avant le film, hein. Tu as réussi à brasser ma femme en 30 minutes de stream, j'ai dû sortir mes écouteurs. Ah, attention, hein, moi je veux pas être détesté par des gens. Ne faites pas de bêtises. Hein. Le streaming, c'est un truc de niche. Évidemment que vous pouvez pas mettre le stream sur les enceintes en vous attendant à ce que tous les gens autour de vous soient en mode « Ouah, trop bien, putain, c'est Shishayu !» Les gens, ils s'en branlent. Hein. S'ils entendent quelqu'un commencer à parler de qu'il a mangé une boîte de vin le midi et que Rock Bottom, c'est un bon objet, ils vont péter un boulon. Hein. Ils vont péter un boulon, de la même façon qu'ils vont péter un boulon si vous commencez à répéter des scènes de Kaamelott chez vous en boucle. Quoi. Commencez à brasser ça en boucle ultra fort. C'est comme tout. Hein.
y a des gens qui gueulent masterclass depuis le premier étage et je suis au cinquième. Ah, oui, bon, bah voilà, c'est pareil, ça. C'est une masterclass. La masterclass. Oh non, vas-y, vas-y, j'ai pris Words of Non-Wisdom, quoi. Oh, j'ai pris cher. Je suis vraiment allé me faire... J'ai pris une boule par la par le moustique, là. J'ai le seum. Hein. La mère vient de me dire d'éteindre les enceintes en criant Rock Bottom, c'est nul. Hein. Voilà. Voyez. Le fléau. Détesté par la moitié des conjoints et des parents. Tot, 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 tot. Est-ce que je vais R fin d'étage? Je sais pas trop quand je vais R. Hein. On va sûrement R à un moment parce qu'on doit respecter l'objet. C'est quand même le R key. Mais est-ce qu'on va le faire très vite? Je pense pas. Si la run est pas mauvaise, on va attendre. En fait, ça me fait chier d'avoir une R key sur la run Blue Baby, honnêtement. C'est ma fille qui me fait remarquer quand tu dis un gros mot. Oh non, mais me mettez pas devant des enfants, please. Je suis vraiment pas enfant friendly, quoi. J'ai absolument pas envie de... Non, non. Non, non, je dis trop de... Non, non. Faites pas les oufs. Faites pas les oufs. On n'est pas tous un peu des enfants. Non mais d'accord, mais... On est des enfants adultes, quoi. Tu portes la responsabilité d'éducation de nos enfants. Bah non, justement, non. C'est faux, ça. Les enfants devant Twitch. Ah si, à la limite, devant Twitch, il y a des chaînes où ça passe, hein, mais... Faut chercher, quoi. Il y a des chaînes bien sur Twitch. Hein. Il y avait une chaîne notamment où c'était quelqu'un qui conduisait un train. Voilà. C'est bien ça. C'est une bonne chaîne pour les enfants. Tu mets les enfants devant le mec qui conduit le train. T'es juste la caméra qui regarde en avant et qui conduit le train. Et tout va bien. Ou devant les chaînes, ou je sais pas, il n'y a pas des chaînes aussi comme sur YouTube où il y a des chats. Et puis les chats, ils sont filmés toute la journée et puis... Et puis des fois il tombe de l'arbre à chat et tu vois, oh merde, il est tombé. Allez, hot tub, putain, ça faisait longtemps que vous en aviez pas parlé des hot tubs, hein, ça vous démangeait. Hein. Ça vous démangeait, on en parlait plus assez, c'est ça hein. On parlait plus assez des hot tubs, ça vous dérangeait. Évidemment que tu vas pas mettre un gamin devant un streamer, enfin je. Ça... Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je vous démontre que 2 plus 2 égale 4? Qu'est-ce qui se passe? Mais de la même façon que je foutrais pas un gamin devant moi, en fait, tout simplement. Hein. Je foutrais pas un gamin devant un stream de GCU de la même façon que je le foutrais pas devant un stream... baignoire, enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a moyen d'éduquer les enfants, d'éveiller les enfants de meilleure manière, évidemment. Mais que ce soit un stream baignoire comme un stream de quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, en fait. Hein. De la même façon. Alors que des petits chats qui font des acrobaties. Putain, je suis vraiment en train de prendre des tartes, là. Je suis vraiment en train de prendre des tartes dans Basement. J'ai honte. J'ai honte de prendre des tartes. Merci True Scott pour le Prime. Merci énormément pour le Prime. True Scott. Des bisous. Son Gomax, j'espère avoir dit merci pour les 3 mois de Prime aussi. Merci, merci. Dion, 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 dion. Le R qui donne trop la confiance. Peut-être. Ouais. Je sais pas, peut-être que j'ai l'impression d'avoir un trop bon build alors que pour l'instant j'ai quand même que dalle. Hein. J'ai R, j'ai R quoi. Tintin. Hop. Et c'est parti. La monstronade. Hein. Monstronade. Bam 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 bam. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas écouté. Danger. Danger R. Attention, danger, il y a R. Il y a R. Tu aurais fait une chaîne où tu filmes ton chien. Oh, j'avoue, filmer Roscoe. Bon, après, Roscoe, il a une vie... Il a une vie assez chill. Hein. Roscoe, il est plus... Après, les chats, ça dort N heures par jour aussi, mais... Mais il y aurait moins de moments Roscoe joue avec ses jouets que des chats qui jouent dans les arbres à chats. La Roscoe Cam, ce serait stylé, mais moins stylé que... C'est quoi ça? Bet's Face, c'est à chaque étage, ça. Je pense que je préfère le Blessed Penny.
Et je préfère ne pas aller dans le Devil Deal parce que de toute façon on a Erki pour revenir au début. When life gives you monstro quoi. La rose cam. La rose cocam. J'ai jamais vu mon chat jouer avec autre chose que mes pieds. Après il doit y avoir des chiens. Enfin Roscoe c'est juste qu'il est très... il dort quoi. Roscoe il aime dormir. Hein. Il n'y a pas grand chose d'intéressant à cet étage où c'est moi là. Hein. J'ai pas vu la super secret, mais j'ai pas un layout qui permet vraiment de la chercher sans perdre beaucoup de bombes, je pense. Ou avoir énormément de chance. Les live sommeil. Hein. Bah après, je pense que y a de tout. Il y a des choses qui sauvent plein de gens, tu vois. Moi, je sais que j'ai pas de problème à m'endormir, mais il y a des gens, ils peuvent pas dormir. Hein. C'est sûr qu'il y a des gens pour s'endormir, ils regardent des vidéos de gens qui mangent. De la même façon, ça se trouve, il y a des gens pour s'endormir, ils regardent des gens jouer aux jeux vidéo ou des gens dormir, tu vois. Le fait de regarder quelqu'un dormir, ça les fait dormir. Hein. C'est parti, je pense. En vrai, on n'a pas... De toute façon, j'ai R qui... Starter touche R. Il y a R. Merci Kayuri pour les 57 mois de Prime. Des bisous. Allez, hop. R qui... C'est quoi cette salle? J'ai jamais vu cette salle. Pourquoi il y a lui au milieu là? Qu'est-ce qu'il fait là? Je suis un somnifère, mais ça je le sais. Hein. Mais Louise est beaucoup comme ça. Hein. Louise, elle s'endort pas mal sur des streams. Hein. Genre des streams de Battleground ou des streams de TFT, elle s'endort comme ça. Alors que moi je suis incapable, je pense. Enfin, si, je me suis déjà endormi devant un stream. Mais quand je m'endors devant un stream, je suis vraiment dans le pire état quoi. C'est-à-dire que j'ai lutté pendant 15 ans pour rester éveillé. Jusqu'au moment où je m'endors, finalement. Donc c'est pas un endormissement que j'aime bien, parce que tu sais, t'as juste l'impression de mourir, quoi. T'as juste l'impression que si tu t'endors, là, c'est que vraiment, il n'y a plus aucune option, quoi. Tu t'endors parce que c'est ça ou tu crèves, quoi. Donc non, moi, je peux pas faire ça. Je m'endors tout court. C'est bien, il y a des ressources. Avec mes 3,55 de dégâts. Heureusement que j'ai du tir rate. Du tombe d'épuisement, c'est ça en fait. Moi je m'endors, je me dis bon bah allez, faut aller se coucher. Bon, je mets plus ou moins de temps à m'endormir. Je dirais que j'ai un peu de chance quand même. Je mets pas des blindes de temps à m'endormir. Après j'ai toujours été fatigué donc... Je vis fatigué. The Long Drive. Ah, The Long Drive pour une petite sieste, ouais. Après, là, c'est le jeu et voilà, le jeu berce. The Long Drive, ça berce. C'est un jeu comme Battleground ou quoi, il se passe des trucs, enfin, je sais pas, t'as limite envie, si tu t'endors, tu vas faire des calculs dans ta tête, tu vois, t'es en mode, ah putain, alors là, fallait prendre les 4 d'endurance, ouais. Ah, j'aurais dû prendre 3 fois le mec, là. Ouais, vas-y. Dans des phases d'insomnie. C'est vrai, je pense que j'ai la chance de pas trop connaître les insomnies. Ah, des fois, oui, mais genre quand je suis vraiment stressé, je fais une crise d'angoisse et je mets une demi-heure, une heure à m'endormir. Mais des vraies insomnies où je me retrouve 4 heures plus tard à pas réussir à dormir, je suis pas sûr que ça me soit arrivé plus de 2 fois dans ma vie. Quoi. C'est une chance en vrai, je pense. Lire un livre. Hein. À lire un livre, ça aide pas mal. Hein. Ça dépend, parce que moi, des fois, quand je commence à me lancer dans des activités avant de dormir, bah du coup, j'ai juste envie d'enchaîner plein de choses. Hein. Merci Cibreton pour les 6 mois de Prime. Je passe rapidement mettre le Prime, je retourne à VOD de Death Door, j'ai pris du retard. Ah bah bon visionnage, merci beaucoup. Et merci Beatmaster pour les 28 mois de Prime, des bisous. Merci, merci. Quand il fait trop chaud, il n'y a rien à faire. Bah là, en ce moment, il fait masse chaude, on a juste le ventilateur. Hein, et j'arrive quand même à dormir. Non, je pense que vraiment j'ai une chance. De toute façon, on me l'a toujours dit. Une époque où j'étais pas encore en prépa, donc je dirais au lycée. Lycée première terminale, j'étais quasiment tous les week-ends chez mon cousin en Normandie. Parce qu'en gros, on descendait de Caen vers le bocage normand pour aller voir mes grands-parents avec mon daron. Tous les week-ends. Et tous les week-ends, moi, du coup, le samedi soir, j'allais chez mon cousin. On faisait soit la fiesta, soit on jouait aux jeux vidéo, puis on se couchait tard. Enfin, hein. Et puis on allait voir la famille, puis après on rentrait chez lui, on se couchait tard. Et du coup on regardait souvent des films ou des Harry Potter ou des trucs avant de se coucher quoi. Et lui il me disait, mais mec, mais c'est impressionnant, genre tu t'endors tout le temps ultra vite quoi.
Il a toujours galéré à s'endormir, et à chaque fois que j'allais dormir chez lui, il me disait, mais mec, on se couche, au bout de 2 heures, tu dors, quoi. Enfin, au bout de 2 minutes, tu dors, tu vois. J'étais en mode, bah, je sais pas. Genre, des fois, on allumait un Harry Potter, il me disait, Harry Potter, il est même pas arrivé à l'école, mec, t'es déjà cané, quoi. Ouais. Moi, je suis comme ça, hein. Il est insupportable. Hein. Ah bah voilà, bah Louise pourra témoigner aussi. Hein. Mais en fait, Louise, le problème, c'est qu'il fut un... Je pense qu'on a vécu... Il y a une moitié de ce qu'on a vécu où tu dormais avant moi. Et maintenant, il y a une autre moitié où tu dors toujours après moi. Il me faut 3 heures pour m'endormir, lui 2 minutes. Mais il y a eu une époque où quand il y avait du travail en présentiel, tu dormais toujours avant moi. Maintenant qu'il n'y a plus le travail en présentiel, tu galères à dormir. Mais c'est vrai que moi, quand je vais me coucher, je veux dormir, quoi. Laissez-moi dormir, putain. Moi, tout ce que je demande dans la vie, c'est dormir. J'ai peur de la mort, mais j'aime bien dormir. Du coup, moi, quand je vais me coucher, je veux dormir. Laissez-moi dormir. Je sais pas, c'est trop bien. T'es dans ton lit, là. Tu penses à... Bon, moi, je pense à plein de choses quand je vais m'endormir, par contre. Je pense à plein de trucs, mais au bout d'un moment, ça devient confus. Et puis, tu pars et hop, c'est le lendemain, quoi. Let's gong. Mais après, il y a des fois où t'es stressé. La veille de repentance, là, putain, je pouvais pas dormir. J'ai tout le stress des préparatifs de repentance qui m'étaient retombés dessus la veille. Je me suis endormi à genre 5h du mat sur le canapé, réveillé 8h30 pour sortir le chien et venir faire le live. En vrai, c'est un miracle que la journée de départ de repentance, j'ai pas canné, quoi. Le départ de repentance, on a fait un live de 10h, je crois, c'est un miracle. Hein. Je sais pas comment j'ai fait. Hein. Je sais honnêtement pas comment j'ai fait. J'ai dormi 3-4 heures la veille, quoi. Je devais pas être dans mon meilleur état, mais... Ça devait se voir un minimum. Mais... Tu te forces à rêver de toi en train de dormir. Hein? Jamais fait de rêve lucide, moi. Quel enfer, les insomnies. Heureusement que les streamers sont là. Merci Shigeno pour les 5 mois. Alors, on sait qu'on aide, hein, du coup, des fois. On sait qu'on aide à faire ça. Ouais. Au bout d'un moment, égale 2 minutes. Non, mais pas 2 minutes non plus! Mais le problème, c'est que moi, souvent, quand je vais me coucher, je le fais assez souvent, le coup de m'endormir trop vite. Et du coup, de... vous savez, le tremblement, là. Le coup de ton corps, il pense que tu crèves, du coup il te réveille avec un truc nerveux là. Mais ça, je le fais assez souvent. Mais des fois, du coup, si je suis amené à... Bah Louise, on dort tous les soirs ensemble. Du coup, des fois, elle croit que je m'endors alors que juste je bouge avant de dormir et elle se dit bon bah ça y est, il fait déjà sa secousse là. Il est déjà en train de dormir là. Hein, au bout de 2 minutes. Alors que non, juste, bah... Je sais pas, je bouge. OMG, le dis pas. Comment ça? Ah, faut pas que je dise qu'on dort souvent ensemble. Mais vas-y, j'ai tout le temps la chiasse, là. Et d'ailleurs, je l'ai dit l'autre jour, c'est quand qu'on a live Isaac pour la dernière fois? Il y a deux soirs, Roscoe, il allait bien, j'ai dit, faut pas que je ramasse Montezuma Revanche, ça va nous foutre l'œil. Hier, il a eu la chiasse. Putain, je l'avais dit, en plus, j'avais dit, vendredi soir, non, jeudi soir, j'avais dit, prends pas Montezuma Revanche, Roscoe, il va mieux, il a pas la chiasse. Depuis N mois, et je l'ai ramassé quand même, et il a eu la chiasse. Tranquille, hein, une petite, quoi, mais... Putain... Papadapap... C'est la vraie revanche, du coup. Le pouvoir du biais de confirmation est fort. Bah, je pense que c'est pas du biais de confirmation, c'est la réalité. Du coup, je vais pas le prendre aujourd'hui. Pourquoi je prends pas Montezuma? Parce que ça donne la chiasse à Roscoe, alors. Je ne crois pas au biais de confirmation, mais je le prends pas parce que ça file la chiasse au chien. Ah, vous êtes content? Allez, mange. Comment ça? Ah oui, c'est vrai que c'est un peu à chier maintenant, les sad bombs. En vrai. En vrai de vrai. Reprends-le pour confirmer la science? Non. C'est non. Y'a rien à confirmer du tout, là. On doit déjà lui laver le cul. Vu qu'il a trop de poils. Non mais vas-y, c'est chiant, là. Je joue vraiment comme un pied. Oh, puis tout ça pour un mom's lipstick. C'est clair et net qu'on va pas tarder, hein, à aller utiliser la air key. Moins par moins, ça fait plus, oui. C'est validé. Ilulului. C'est 100% lose, on prend beaucoup trop de dégâts là. On va avoir un blood bag ou un truc intéressant. Ça sert à quoi la Erki a recommencé depuis le début avec le même build hein.
Merci beaucoup Shepard pour les 1 an. Et voilà, ça fait 1 an que j'ai découvert la Chiche Télévision. Toujours un plaisir à regarder, que ce soit en live ou en VOD. Merci beaucoup. Merci, merci. Et merci Thibaut pour les 2 mois de Prime. Merci, merci. Fallait prendre un chien sans poil. Ah non, mais moi, j'ai pas choisi. Hein. Après, de toute façon, maintenant qu'on a Roscoe, j'aime que les Eurasiers et les Samoyèdes. J'aime que les chiens qui ressemblent à Roscoe, maintenant. J'aime toujours pas les chiens, mais j'aime bien les Roscas. J'aime bien les Eurasiers, j'aime bien les Samoyèdes. J'ai jamais vu de Spitz, en vrai. Les Spitz loups. J'ai pas vu. Je crois que c'est petit, les Spitz loups, non? Ah non, j'aime pas les... J'aime pas les chochos. Les chochos... Parce qu'il y en a du chocho dans le rasier, mais je sais pas, j'aime pas. J'aime pas les chochos. Un Shiba, bah, non. Les pugs, bah les pugs c'est mignon, mais j'aime pas les chiens en fait. j'aime pas les clébards. Hein. Désolé, j'y peux rien, j'aime pas les kleps. Mais j'aime Roscoe de tout mon cœur, mais j'aime pas les kleps. Pardon, bah Lilou, elle est... Mais attention, j'aime pas les kleps, ça veut pas dire j'aime pas Lilou. J'aime pas les clubs, c'est tout. Un malamute. Ah, les malamutes, ça fait 15 bornes de long. T'aimes ni les clébards, ni les humains. Bah si, mais arrêtez. Bah après, c'est les individus. Justement, c'est les individus. Bah, tu me montres un pug random dans la rue. M'en fous, pas lu. Tu me montres Lilou. Bon, bah c'est Lilou, quoi. C'est Lilou. Elle a entendu, bah j'imagine. Hein. Les pugs, c'est des vicieux. Les pugs, c'est des petits vicieux, hein. Des vicelards. Ainsi qu'Awalor pour les 2 mois de prime. Les chiens, c'est gros kleps. Voilà, exactement. Bon, pourquoi je tourne en rond, là? Je tourne en rond pour rien, là. Non, après, j'aime bien... En fait, c'est vrai que j'aime bien les chiens à poil, les chiens à poil long, maintenant. Genre berger australien, truc comme ça, là. Hein. Mais je sais pas, les chiens, c'est tout un délire, quoi. Mais de la même façon, à la base, je voulais pas non plus avoir un chat. Hein. Vous savez que... J'étais team chat à la base, mais c'est pas pour autant que j'en voulais. En plus, je suis allergique au chat, donc... Curse of the Blind, oh putain. Je suis allergique au chat. Mais c'est vrai qu'avoir un chien... Quand je vois un chien... Dès que je vois un chien qui ressemble un peu à Roscoe, c'est vrai que... Maintenant, je suis un peu en mode, oh, le toutou, tu vois. Avant, je voyais un toutou dans la rue, j'en avais rien à branler. Maintenant, c'est vrai que dès que je vois un chien, que ça ressemble un peu à Roscoe, je suis en mode « Oh, ouais, un petit peu, ouais. » C'est parce qu'à chaque fois, ça me rappelle Roscoe. Dès qu'ils ont un peu la gueule qui ressemble, hein, ça me fait penser à mon chien, et du coup, ça me fait plaisir. C'est des méduses. Hein? Non. Je veux pas de méduses non plus. Pas de méduses. Team allergie. On peut être allergique aux chiens. Arrête, putain, elle me saoule cette run là. Pourquoi j'ai la air key et une run à chier quoi. On peut être allergique aux chiens. T'es allergique à quoi si t'es allergique aux chiens? Oh oui. Parce que les chats, on est allergique aux putain de phéromones là, les trucs qu'ils ont entre les babines. C'est pas les poils qui nous rendent allergiques aux chats, c'est les babines. Sauf que ça se fout dans leurs poils en fait, et du coup, bah, dès qu'il laisse traîner des poils un peu partout, le chat, il y a ses phéromones partout, et t'es allergique à ça. Allergique à la bave, ouais, ça. Et du coup, les chiens, c'est pareil, tu peux être allergique à la salive des chiens. Putain, mais quel cauchemar, quoi. Si j'avais été allergique à Roscoe, ça aurait été vraiment un cauchemar. Hein. Heureusement, je crois que j'ai jamais fait d'allergie à quelconque chien. On t'utilisait quand, la Herky? Jamais. Par pur militantisme de cette run de merde, j'utiliserai jamais la Herky. Je trouve ça beau l'amour que porte un chien pour son maître. Bah moi des fois ça me déprime. Hein. Ça me déprime parce que j'ai l'impression que... Ça me rappelle trop tous les chiens malheureux qui aiment quand même leur maître alors qu'ils sont malheureux. Tu vois. Ça me déprime. En fait. Je vois... Après vous allez dire chez eux tu vois toujours le mauvais côté des choses. Peut-être mais j'ai jamais dit le contraire. Tu vois. Mais c'est vrai que des fois de penser à l'amour... L'amour que portent les chiens, ça me déprime parce que je pense à tous ces chiens qui sont maltraités et qui aiment quand même leur maître. Par défaut. Par défaut de leurs conditions de kleps, quoi. Du coup, ça me met mal. Hein. Tu vois toujours le mauvais côté des choses, bah ouais.
C'est un de mes problèmes, hein, mais j'en suis conscient par contre. Est-ce que j'y travaille? Je sais pas, mais... Déjà, j'essaye d'arrêter de me bouffer les ongles. Hein. C'est triste, les petits chiens, ils se lancent dans la vie. Ouais. C'est ça, hein. Ouais, je vais piffer ou je vais pas piffer? PhD. Oh, ça va, je suis content. Range up. Tears up. Ah bon, merci Devilolo pour les 3 mois de Prime, des bisous. Merci énormément pour les Prime qui dorment. Merci. Je sais pas, moi, ça me... La métapilule, hein. T'as vu, hein? La vraie métapilule, celle-là. Non, j'ai pas du tout suivi Elblondie. Je regarde absolument aucun stream d'Isaac en ce moment. Je regarde quasiment très peu de streams. Hein. Généralement, je me lève, je mate un peu la Mintos TV et tout, mais... J'ai maté des streams la semaine où j'étais tout seul. Là, j'ai maté des streams jusqu'à 5h du match. Je regardais des gens faire du limité sur Magic, mais... Je me suis vite remis dans une life un peu moins... Un peu moins horrible, hein, parce que 5... Bah, je dis pas que je me suis couché non plus plus tôt, quoi, mais... disons que j'ai essayé de me coucher plus tôt, quoi. Alors que quand j'étais tout seul, j'ai pas du tout essayé. Hein. Mais non, je regarde absolument zéro live. Est-ce que c'est là? Je sais pas. On va tester, hein. Est-ce que j'ai pu regarder le badminton au JO? C'est déjà commencé, là? Oh merde. Parce que ça a commencé genre cette nuit, les JO, là. Ça a commencé à 2h du mat, les épreuves. Y'a déjà eu du badminton? Putain... J'ai déjà loupé le badminton. Ah, chier. Enfin, je regarderai en replay, c'est pas grave. Enfin, c'est le moment où on va me dire « Ah, peut-être t'as pas vu du coup machin gagner. » Quels sont les meilleurs roguelikes pour toi? Death Door, hein. Extraordinaire roguelike. Non, je sais pas. Bah, ceux auxquels j'ai le plus joué. Hein. Normalement, sur la chaîne Twitch et YouTube, tu peux repérer un peu ceux à quoi j'ai joué le plus. Mais des trucs comme Isaac, évidemment. Hunter the Gungeon, Hades... Il y en a plein, des très solides, Risk of Rain 1 et 2. Il y en a énormément, il y en a beaucoup trop pour tous les citer. Il y en a 5 heures ce soir. Il y en a à 5 heures ce soir ou il y en a 5 heures ce soir du badminton? Parce que c'est pas... c'est pas la même, hein. C'est pas la même tisane en fait. Il y en a à 5 heures ce soir. Je peux pas vous mentir que je serai couché quand même. Dead Cells, hein, Dead Cells ça m'a large gonflé en termes de roguelike. Je trouve que c'est celui qui est le... le plus gonflé en termes de rejouabilité. Je déteste la rejouabilité à la Dead Cells. C'est pour ça que j'avais très très peur de Hades, qui a une rejouabilité à la base à la Dead Cells, mais qui lui, pour le coup, l'a fait d'une manière assez intelligente, parce qu'il a profité du fait qu'il y avait beaucoup de lore et beaucoup de choses qui se passent en dehors des runs pour te motiver à quand même augmenter la difficulté et tout, sans que ça devienne juste chiant. Et surtout, la difficulté s'augmente de manière beaucoup plus lissée, quoi. Mais Dead Cells, ça m'avait trop gonflé. J'ai mis 50 heures dedans, et les 50 heures dedans, elles m'avaient plu, mais... la façon dont était construit la rejouabilité m'avait juste gonflé. Après, le jeu a plein de points forts. Hein. De 1h à 5h du mat, il y a du badminton. Oh, j'irai peut-être check, mais bon... Entre ça et mater des épisodes de Scrubs... Scrubs, c'est pas mal aussi. Returnal, c'est bien. Après, Returnal, ça mériterait d'avoir encore plus de contenu qui continue à pencher dessus, limite faire un 2, faire un Returnal Rebirth. Mais Returnal, c'est vraiment, vraiment bien. On mériterait d'avoir plus de roguelike AAA, AA de ce calibre-là. Le jeu est vraiment, vraiment bien. Darkest Dungeon. Bah, Darkest Dungeon, c'est un excellent jeu, mais... Le côté roguelike, il est pas fait pareil, quoi. Old Bandage. Seven Seals. Ah, mais on se fait vraiment chier, quoi. Enfin, Seven Seals, c'est bien, mais... Oh, j'ai envie de Erky, là. J'ai envie de Erky maintenant. J'attends un peu, là. Je vais aller prendre le négatif. Je sais pas. Eternal, match de juin. Déjà, oui, il leur faudrait une petite match de juin. Elle arrive, là. Elle arrive en juin. Il n'est pas du tout prévu de sortir sur PC, Returnal. Bon, on sait pas, mais à terme... Il y a bien Horizon qui est sorti sur PC. Il y a bien Days Gone qui est sorti sur PC, donc... on n'en sait juste rien, quoi. Évidemment, ils vont pas te le confirmer 2 ans à l'avance, tu vois. Alors, si Returnal devait sortir 2 ans plus tard sur PC, Sony va jamais te dire 2 ans à l'avance, oui, ça sort sur PC.
Parce que ce qu'ils veulent, c'est le vendre sur PS5, le jeu. Donc, bon. Si ça doit arriver un jour, ça arrivera plus tard. Air au chest ou rien. Ah, ça n'arrivera pas, ça. Si je prends le négatif et le Polaroid, j'aurai les deux effets. Hein. Normalement, c'est bon. Hein. Enfin, à moins que ça ait changé, mais normalement, c'est bon. Hein. Oh. Mais quelle merde. Mais quelle merde. Appuyer sur des boutons dans une petite salle. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai vu, mais. Je n'y crois pas moi-même, quoi. Ah, je peux vous confirmer qu'il n'y aura pas Returnal dans les 27 jeux. Je me suis posé la question, mais en fait, les runs sont trop longues. Et si je dois faire une run en bourrant, c'est-à-dire en allant directement dans une zone de fin, je trouve ça quand même un peu moyen. Du coup, je l'ai pas mis dedans. Point, point. Si on a Pola et négatif, lequel est bouffé par la porte de Debs 2? Alors là, j'en ai aucune idée. Peut-être le premier, peut-être le dernier, peut-être les deux. Allez hop. T'avais les deux? Bah je te mange les deux. Allez salut! Tot 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 tot. Ça plante le jeu. Là ça sera corrigé match de juin. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant ça fait rien, mais bientôt ça fera quelque chose. Rock bottom dans la secrète du chest. Attends, là-bas pour la touche R j'ai eu une divination. Mais non, mais. C'est trop tard en fait. Au chest, moi je veux. Si au chest tout va bien, j'ai envie de passer à la suivante. J'ai pas envie de air key au chest. En vrai, air key au chest, c'est bien quand tu fais du progress. Quand tu fais du progress, tu vas tuer Blue Baby, à la limite tu te fais un méga Satan, Delirium. Ensuite tu repars au début et hop, tu vas tuer Mother ou The Beast ou ce que tu veux. Mais air key au chest en streak, ça sert vraiment à rien quoi. À part. Alors, attention, si on trouve la air key au chest, là c'est différent. Je crois que c'est arrivé une fois, on a trouvé la R-Key au chest, on l'a trouvé genre à cathédrale. Là d'accord, on va pas finir une run avec la R-Key en main. Quoi. Mais sinon, non. Quand on l'a au début, on s'en sert pour ce stuff et on finit. Quoi. Down. Ah, poussez-vous. Poussez-vous. Tot, 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 tot. Hop, allez, ça dégage. Vu. Vous avez vu le... Vous avez vu quoi? Attends, il y a peut-être un rocher marqué en vrai. Ah oui. Putain, mais ceux-là, je les vois plus, hein. Faut que je retourne voir mon ophtalmo. Ah oui. Faut que je retourne voir mon ophtalmo, je vais dire, je vois plus les rochers marqués, enlevez-moi ça, hein. Après, est-ce que je les ai vraiment déjà vus, ceux-là? Les nouveaux rochers marqués de Debs et Catacom, je sais pas si je les vois vraiment bien. Hein. Ah, attendez, mais il y a une blue... Il y a une blue candle, hein. On abandonne tout. On abandonne la R-Key. Désolé. Quoi? Oh non. J'abandonne la R-Key. Au revoir. Je sais pas, je vois flou. Je vois flou sur les rochers marqués. Le motif, je vois plus les rochers marqués. Bah, c'est, je mets ça sur Doctolib. Rendez-vous ophtalmo, ne vois plus les rochers marqués. Problème. J'ai un problème. Why no pill, il y a le PhD. Non mais là... Faut pas abuser non plus. Je peux pas prendre tout, hein. À la limite, fallait me mettre rock bottom, mais pas la red key. J'ai les deux air key du jeu, hein. Ah ouais. Ah ouais, mais les items sont vraiment nuls tiers. Nul, 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 nul tiers. Après, par contre, je peux l'utiliser pour chercher un objet de Godroom à cet étage. C'est sûrement ce qu'on va faire. Cette run est trop bien, mais cette run est trop... Il y a trop de choix, en fait. C'est-à-dire, entre ça, je sais pas, moi. Bah, surtout que là... Pour trouver la salle... J'ai un guess. Ah là, c'est pas mal, là, en vrai. Ah là, c'est pas mal, là. Là, à gauche, ce serait pas mal aussi, hein. Pas mal, là. Il y a trop de... Il y a trop de possibilités. Et là, c'est pas possible, ok. Là, il y a la super secret room. Je sais pas, je la sens bien à droite, là. Je la sens bien par là.
Dommage. Vraiment dommage. C'était dans le coin. Après, est-ce que j'ai une batterie? Ce serait bien d'avoir une batterie. Putain, si j'avais trouvé la R-key, genre, plus tôt. LG. Dis-moi qu'il y a une batterie au shop, s'il te plaît. Parce que du coup, si c'est pas là, c'est entre le shop et la salle qui est ici, là. Ah, mais ça peut être au-dessus, aussi, en vrai. Allez, Nick, putain! Alors, le cul, hein. Expérimental pile. Hein. Experimental pill. Tant pis! Tant pis pour moi. Merci, Elro, pour les 18 mois. Bonsoir à Chio Productions, au chat. Bonne run. Merci beaucoup. Merci, merci. Le Prime qui dormait, mais c'est fini. Merci, Veux, tout à l'heure, pour les 5 mois. Et Halloween pour le Prime. Bienvenue à toi, Halloween. Et merci, Train d'Amer, pour les 2 mois. Merci, normalement, pour tous vos Primes. Des bisous. Merci, merci. Il y a quoi dans la hyper secrète? Un objet de Godroom. Après, je crois qu'il y a des hyper secrètes sans objet de Godroom, mais je sais plus. Hein. Je full charge encore une fois avec les 3 salles. Ah, mais il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas de combat dans la salle à gauche, là. Ouais, ça se tente, hein. Ça se tente vraiment, hein. Là, il y a combat. Ah, mais attends, en fait, il y a la challenge room. Hein. Ah non, mais attends, mais t'es en refait, en fait. Attends, mais il y a une challenge room. J'aurais encore plus opti que ça. Ah ouais, mais attends, il y a des possibilités de ouf, en fait. Les possibilités sont infinies. Parce que là, ça peut... Ah, ça peut être à gauche, là. Je la verrais bien à gauche, en fait, ici. La rédemption. C'est un signe, je pense. On le sait pas tant qu'on n'est pas rentré dedans, hein. Je pense que c'est un signe. Qu'on soit venu ici pour la charger, c'est un signe, regardez. Putain, c'est à côté du shop depuis le début. Après, on sait jamais, hein. Un combat? Oh oui, vas-y. C'est à côté du shop depuis le début. Merci Pinksmirth pour les 2 mois de prime. Les boutons en haut, ça marche pour recharger. Non, ça referme pas vraiment la salle. Ou si ça le referme, ça compte pas comme une nouvelle salle. Bon. On va faire le boss, et ensuite j'essaye là. Non, mais en fait, je suis même pas convaincu là. Je sais pas. C'est Depths 1. Hein. Parce que si je perds la air key, vous allez pas être content. Est-ce que j'ai mon pastis sanitaire? Non. Mais j'ai pu aller au cinéma quand même. J'irai faire des tests PCR quand j'aurai besoin de faire des trucs. Hein. Mais mon pass sanitaire, il va arriver, mais il va arriver en septembre, quoi. Le pass sanitaire, je vais l'avoir ouais, septembre-octobre, quoi. Je sais pas. Quoi, il faut le pass sanitaire pour streamer maintenant, là? Ça, c'est bien, ça. Card Against Humanity. Forgotten Lullaby. SO, mais Godroom! Il y a du monde. Le pastis sanitaire, faut juste picoler. Voilà, là, j'avais plus le droit de picoler, là. J'attends d'aller voir mon dentiste qui me croit alcoolique et je me prendrai une petite bière. Mais pas avant. Hein. Merci, vous avez 62 mois, Bastien. 62. La Coupe du Monde. Il y avait bien une Coupe du Monde en 62, non? J'avais pas le droit de picoler. J'étais sous antibiotiques et tout, donc... Si tu R-key alors que tu es en chemin d'Evil Deal, tu resets les chances. Hein? Comment ça? Ah oui, non, oui, tu resets les chances, oui, bien sûr. Le bail du dentiste, 64, la Coupe du Monde, c'était pas en 62, dommage. Bon, c'était 1 euro du coup, ça va. J'ai limite envie de partir sur Guppy. Pff, ouais, allez, non, en vrai, ouais. Range up. Putain, il y en a du range up, hein. On s'amuse, hein. Alors, on s'amuse, hein. Moi, j'ai dit on s'amuse. Hein. Nanana. C'est parti pour s'amuser. Tatin.
C'est Nawak. C'est vrai qu'on avait mangé un trinket qui me faisait pop des cœurs bleus quand on... quand on prend des pièces. Le plaisir. Point, 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 point. Nice urne. C'est vraiment, vraiment cassé. Hein. C'est vraiment, vraiment cassé le... la carte de Gaze Humanity encore. Hein. Ça, elle a subi zéro nerf. Hein. Elle est toujours aussi pétée qu'avant. Je dirais même que c'est encore plus pété qu'avant. Les possibilités sont encore plus grandes. On a tellement plus de choses pour manipuler les consommables que... Carte de Gaze Humanity, c'est vraiment, vraiment un bon drop. Bon, je suis full pognon. Est-ce qu'il n'y a pas un petit luck-up, là? Je crois pas, hein. Je vois pas de reflet vert. On dirait pas. Bon, je tente là, du coup. Ah là, mais depuis le début! Depuis le début, j'avais dit! Luck en haut à droite. Ouais. Oh, mais tout ça pour ce capula. Du coup, je vais aussi aller voir l'opticienne. Enfin, pas l'opticienne, mais l'ophtalmo pour lui dire... je vois plus les luck-up. Je vois plus les luck-up en haut à droite. Ah oui, là. Je vois plus les luck-up avec les reflets, avec les trucs anti-lumière bleue. Hein. On voit plus les luck-up. Donc je suis full pognon. On va récupérer la R-Key. On aura chopé un item de Godroom qui a chié des bulles, mais ça c'est pas grave. C'est un Holy Mantle à demi-cœur. Hein. Surtout la merde. Non, en vrai c'est bien Scapular. Scapular c'est surtout bien quand tu débutes le jeu. C'est un item qui te permet de rester en vie assez longtemps. Devant la porte du boss, luck up. Prends des damage pour marble les trinkets et full cœur dans la salle. Marble les trinkets. Si on trouve mieux, on prendra mieux. Hein. Et la note là, actuellement, la note de musique, elle me sert pas énormément. Hein. Vu. Vu, vu, vu. Ah, je suis trop près de mes écrans. Si j'avais un peu de recul. Sur Isaac, je suis toujours comme As. Je suis genre. Je suis dessus quoi. Ah. Pensez au Petrified Poop. Après, Algis in my pants. Vous savez quoi, je me casse. XL. Ceci est un XL. Vous voyez quand même que j'ai pas un build extraordinaire. Là, on est au basement. Regardez mon build. En vrai. En vrai, mon build. Il serait pas un peu à chier des bulles. J'ai eu envie de R-Key. Oh bah voyez, ouais, regarde Gulp. Gulp, ça marche tout seul. Hein. Après, avec 99 pièces et tout, j'ai un peu hâte de voir ce qui va se passer. Si je tombe des couilles de Keeper, là, par exemple, ça va être un peu n'importe quoi. Il faudrait tomber un Rock Bottom, mais... pas avoir la flemme de trouver les Secret Rooms. Hein. On est déjà sur un XL. On va partir God Room, je pense. Marc m'a donné de la speed. Non, non. N'existe pas ça. Pap 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 pap. Void un R-Key, ça doit pas fonctionner surtout. Ça doit utiliser la R-Key tout de suite et puis voilà. Hein. Tous les objets à fonctionnement unique, à utilisation unique ne fonctionnent pas avec le Void. Parce que ça a pété le jeu. Le premier jour d'Afterbirth Plus, c'était la fête. Hein. Premier jour d'Afterbirth Plus, ça fonctionnait. Enfin pas Afterbirth Plus, attends, Apollyon il est arrivé quand? Afterbirth? Premier jour d'Afterbirth, ça fonctionnait les Void Forget Me Now. Ça fonctionnait très bien. Mais bah, du coup, le jeu était pété instantanément avec n'importe quoi. Void Diplopia, ça fonctionnait très bien aussi. Mais du coup, le jeu était cassé, quoi. Le D7, ouais. Le D7, c'était abusé. Le D7, c'était infini. Oh, vas-y, y a pas Rock Bottom, là? En vrai, j'ai envie de le prendre, hein. Même s'il n'y a pas Rock Bottom, j'ai envie de prendre Soy Milk là. Hein. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Hein. Comme une envie de Soy Milk là. La différence entre le cœur bleu et le cœur noir. Le cœur noir, quand tu le perds, il fait du dégât à tout le monde. Il devient pas lucide. Non mais attends, Soy Milk, c'est... Si on tombe la Godhead, Soy Milk, c'est OP maintenant. Sur Godhead, c'est OP. Dreamcatcher.
Je rêve d'un catcheur. Allez. Oh mais j'avais même pas d'activable. Putain, pourquoi j'ai pris ça? Avoir que des pilules, hein, vu qu'on a... Heal. On a PhD. OP Dreamcatcher. Hein. C'est très fort. OP, je sais pas, mais c'est très fort. Déjà, un demi-cœur bleu par étage, rien que ça, ça fait que l'item est validé, quoi. Bon, la Secret Room, j'ai que 6 bombes. Là. Nice, Rock Bottom. J'avoue que j'ai un peu eu peur. Hein. Rock Bottom. C'est une blague. Hein. N'arrête jamais le jeu, là. Il me donne tous les rerolls. Hein. D6 éternel, D6 D infini. Quoi? Attends, mais c'est quoi cette brasse? Ouais, ce sera corrigé dans le patch de juin, je pense. Hein, ce sera corrigé dans le patch de juin, c'est pas grave. Hein. Tant pis pour moi. J'avais le dé infini, j'ai ramassé un D6 éternel, du coup il a pensé que j'étais sur la variante D6 éternel du dé infini, et puis voilà quoi, je me suis fait baiser quoi. Enfin, c'est pas grave. En plus ça m'a mis des charges jaunes là, enfin vraiment il y a un truc dans le code là, ça va pas du tout. Hein. Donc si tu ramasses un dé pendant que t'as le dé infini, ça fait chier le dé infini quoi, je vois. On est content de le savoir. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça quoi? Merci Gunaf pour les 25 mois, des bisous, merci, merci. Tu peux quand même l'utiliser? Ah non, non, ça fonctionne pas, hein. J'ai essayé, j'ai bourré. Hein. Ah, et là, ça fonctionne. Hein. Attends, ça fonctionnait pas quand il y avait deux barres, mais là, ça a fonctionné. Ah, j'ai appuyé, hein. Non, tout à l'heure, j'ai appuyé, ça a rien fait. Hein. La première fois que je suis venu dans la salle, j'ai appuyé, ça n'a rien fait. Il y a Sacred Orb en Secret Room, hein. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Je sais pas, mais je pense que dès que j'ai remis une barre dans le D6, ça a permis de l'utiliser, mais... C'est pas clair, hein. C'est vraiment pas clair tout ça. Hein. C'était pas un vrai éternuement, ça. C'était un cri de détresse. Je suis pas allé au bout. Il a jamais... Tu sais, genre... J'ai éternué, mais dans la continuité, tu vois. C'était bizarre. Ah, il manquait la fin, c'est ça. Je l'ai senti, il s'est terminé un peu dans le cœur, par là. Il s'est terminé là. Les voisins ont appelé le 17 avec celui-là. Il est tellement sorti de loin. Bug noté sur le wiki. Un, deux charts. Ok, d'accord. Bon, c'est bugué, quoi. Ah, ça fait plaisir. Ils le savent déjà. Ah, peut-être que le patch de juin, il est ambitieux, en vrai. Hein. Il y a peut-être plein de bugs que je connais pas de repentance. Ouais. Bon, c'est une run Blue Baby. On est là, on rigole, mais... Le cri intérieur pendant la scène cringe de Kaamelott. Oh, putain. Non, mais me reparlez pas de la scène cringe de Kaamelott, s'il vous plaît. J'aimerais l'oublier, cette scène. Hein. Tintin. Surtout qu'au début de la scène, tu te dis « Ah, ça va peut-être être drôle. Ah. » Ah ouais, non, là, non. Ah non, non. Merci Nimo, merci beaucoup pour les 23 mois et merci Orphi pour les 6 mois. 6 mois de bras, est-ce que le Prime dort? Non, il ne dort pas. Merci infiniment à toi pour tout. Merci à vous. Merci à vous, merci, merci. Mais dites pas « No spoil SVP », vous savez très bien que je vais pas vous spoiler. Est-ce que je vous ai déjà spoilé quelque chose, hein? Et à part... même pas. Hein. À part tous les jeux vidéo ever, parce que je l'ai fini direct, mais... Le chat spoil, par contre. Ah oui, non mais ça, après... Vous, régulez-vous, quoi. Faites pas les cons. Quoi. Si vous spoilez, vous êtes des sacs. T'as entendu, je suis ton père, une fois. Oui, bon, ça évidemment, je spoil, ça. Ah, Minto, c'est... Attends, je suis passé un matin où il disait qu'il allait prendre Disney+, et regarder Star Wars. Hein. J'ai vrillé un peu, hein.
Je me suis demandé si j'étais pas... Si j'étais pas en train de regarder une œuvre de fiction, quoi. Tintin, tintin. Merci beaucoup Falconi pour les 5 mois de Prime. Le Prime ne dort pas non plus. Merci vraiment de ne pas le faire dormir. Et merci Kerinx pour les 4 mois. J'espère que tu vas bien. Désolé, je regarde que les vidéos sur Isaac. Quel plaisir de vous embrasser et jouer en même temps. En tout cas, bon courage pour ta run. Pas de soucis, hein, vous regardez bien ce que vous voulez. Merci beaucoup. Merci, merci. J'hallucinais sous les antibiotiques. C'est possible, hein. Du coup, désolé, hein, c'est vrai que Dark Vador est le père de quelqu'un dans Star Wars. Dark Vador, c'est le daron. Daroned. C'est un des premiers daronnages du cinéma de science-fiction. Hein. Il tabasse le Soymic, il est bien. Hein. Il est bien mon Soymic à 1.30 de dégâts plus, plus poison et tout. C'est le père de Chewbacca. Ça. Dark Vador est le père de Obi-Wan Kenobi. Le vieux Ben. Tadam. Ben de Twitch, Ben Kenobi. Les a-t-on déjà vus dans la même pièce? Dun 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 dun. Balls of Steel. C'est le papa de Yoda. Dark Vador égale papa de Yoda. C'est le papa de C-3PO. C-3PO, c'est le cousin de R2-D2. Ah sinon, sinon Yoda, alors ça c'est vraie histoire, Yoda c'est le papa de Ki-Adi Mundi. Il s'appelle bien comme ça. Non, attention, c'est totalement faux ce que je suis en train de dire, mais c'était juste pour placer le personnage qui s'appelle quand même Ki-Adi Mundi et que j'adore. J'adore Ki-Adi Mundi. C'est celui qui a une tête en longueur là. Ki-Adi Mundi. Le papa de Jabba le Hutt. Vas-y, je remets la musique là. Momski, ouais. Tintintintintintintintint. Je suis venu ici, mais je sais pas trop pourquoi. Hein. Pour prendre Varicose Vins, alors que je savais très bien qu'il y avait ça dedans. Je sais pas si c'était ma meilleure idée ever. Mais après, on a une Godroom qui arrive dans pas trop longtemps. Ouais. Ça, c'est bien. Il a besoin d'un deuxième cœur pour irriguer son gros cerveau. Attends, c'est vrai ça? Genre dans le lore étendu, Ki-Adi Mundi, il a deux cœurs parce qu'il a, il a une trop grosse tête. Il a un trop gros cerveau. Mais comment ça? Putain! Oh, ça va. Attends, mais Stapler, ça va fonctionner comment avec... Ah, normalement. Ah, mais non, attends, mais je tire plus que d'un œil là. Du coup, ça fait une traînée de soy milk. Ça va être très bizarre, ça. Putain, il y a une interaction à la con, là. Je crois qu'il y a une interaction à la con. Il est autorisé à procréer car il n'y a pas assez de mâles dans l'espèce. Un Jedi autorisé à procréer. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors, au bout d'un moment, peut-être que Disney, c'était pas une mauvaise chose qu'ils aient viré de leur étendue, non? Le mec, le gros Triggerman. Triggerman! Alors, au bout d'un moment, Disney, ils ont peut-être bien fait de renier le lore de Star Wars autour, non? Ah, parce que ça brasse sur les midi-chloriens, mais ça brasse pas sur Ki-Adi Mundi qui a le droit de baiser, quoi. Les midi-chloriens, non, non, non. Ki-Adi Mundi, oui, oui, oui. Moi je comprends plus rien. Merci Sam le Ripat pour les 9 mois. Merci Asik à Torvarsk pour les 4. Bonsoir. Scandale. Tough Love avec 5 de dé, avec 5 de luck. Hein. Ça c'est parce que ça parle de cul. Dès que ça parle de cul là. Moi je me suis, j'ai jamais trop regardé le lore étendu de Star Wars, donc je sais pas trop. Je connais pas grand chose. Hein. Ils ont dit Mundi, donc il avait pas le droit. Oh oui, le cup. Nice. Merci le petit Tardis pour les 25 mois de Prime, merci beaucoup. Non. Poussez-vous. Et laissez-moi tranquille. Hein.
Ah, c'est parti. Il va y en avoir des dents. Ça va être un Soymic expéditif. Quel plaisir, Soymic. Tellement bien maintenant. La carbatterie. Non, non, non. More option. Oui, oui, oui. La gomme. Non, non, non. Joker. Oui, oui, oui. Algis. Non, non, non. Pas bien. Bien, pas bien. Algis. Pas bien. Joker. Bien. Ah non. Parti sur les Devil Deal. Pas bien. Arrête. Ah, je vous ai bien eu, hein. C'est pas moi, hein. Putain, mais pourquoi j'ai regardé ce film pendant les vacances? Enfin, pendant les vacances. Pourquoi j'ai regardé ce film? Regardez, dans le rétro, il y a Algis. Hein. Pas bien. Le Prime qui dormait a été réveillé, merci. Scoran pour les 4 mois. Bah, pourquoi pas? Bah, je sais pas. J'ai ça qui tourne dans la tête depuis quelques semaines. Hein. C'est l'Aspalès qui met pas bien. Hein. Un de ses meilleurs rôles en vrai. Ah quoi? Non mais attends. Ouais, bah, sacré orbe en Godroom. Bah du coup on prend la Godhead. Hein. Après Star of Bethlehem avec autant de tier rate, je me demande jusqu'où ça peut aller en fait. Je me demande jusqu'à combien de tier rate on peut monter avec Star of Bethlehem là, genre 60, 70, 100. Merci Westek pour le Prime, merci beaucoup, merci Netley pour les 4 mois de Prime aussi, merci, merci. Re-bienvenue. Re-bienvenue et bienvenue. Bethlehem c'est tier rate x 2,5. T'as déjà eu 100 de tier rate avec Star of Bethlehem plus Soy Milk. Bah après là j'ai la Godhead quoi. La Godhead avec Soy Milk c'est quand même quelque chose quoi. Soy Milk Godhead c'est un délire quoi. Limite ça m'intéresse. Hein. Merci beaucoup Krag pour les 4 mois défi pour le chat. Comptez le nombre de salsifis. Quoi? Personne dit salsifis là. Merci Sagisen pour les 8 mois. Merci. Il fait quoi ton dé? Il peut faire n'importe quel dé. Il peut faire n'importe quel dé, le dé infini. Moi je choisis de principalement le jouer en D6. Même si en vrai on pourrait avoir un joker par étage. Maintenant qu'on a un joker par étage, je peux faire un D1. Un D1 par étage pour recharger mon joker. Enfin, pour avoir du joker en plus. Ça peut se faire. Ça peut se négocier. Hein. Qui a dit Mundi? Ah, mais si on est Guppy en plus, ça va être un délire. Hein. Mais non, mais putain, mais à chaque fois, ça bug aussi. Il faut arrêter. Voilà, ça fonctionne pas, là. Je veux roll. Je veux roll, laissez-moi roll. Merci Maxou pour les 37 mois de Prime. Re-bienvenue, merci Barbouille pour les 6 mois, j'avais oublié de renouveler mon Prime, toujours un plaisir de te regarder. Oublié. Comment ça? Merci Sagisen pour les 8 mois. Merci. Ça donne une batterie là, arrête hein. Non, ça fonctionne pas le D6 vraiment, c'est, il faut que je remette une petite charge et dès que je remets une petite charge ça refonctionne direct. Mais là je peux pas. Hein, je peux pas. Ça fonctionne pas, il faut une charge. Alors après sur une secret room avec grid dedans, ça fonctionne du coup. On optimise beaucoup trop pour une run qui est gagnée depuis 15 jours à peu près, mais ça me fait plaisir, c'est pour moi. Faire tourner le dé peut-être? Non, je crois que ça fait rien.
Aïe aïe aïe. Je sais pas où c'est. Ça peut être là. Ça peut être à trop d'endroits. Je rajoute des bits, ça, pour me faire pardonner. Ah non, mais y a pas de pardon. Vous êtes blessed. À partir du moment où il y a le prime, vous êtes blessed. Y a pas de... C'est la bénédiction du prime, quoi. C'est... You get the benediction of the prime. Merci Brian Pino pour les 2 mois, pour le somnifère. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être votre somnifère. J'adore. Ah, oh, ça me fait chier, putain. Tant pis, allez. Elle a échangé l'animation des bits, c'est pour ça. Tintin. Les pilules avec les champis. J'ai plus de bons. Dommage. C'est encore ouvert, ça. Bah tiens. Salut, Hildon. La Psyfly. Tiens. Solide partie. La Psyfly, hein, qu'on aimerait bien voir dans des runs qui sont pas genre gagnés d'avance, quoi. On va bien start Psyfly ou Basement 1 Psyfly, ce genre de truc, quoi. Parce que bon, l'avoir dans cette run, je sais pas si c'est très utile. Est-ce que c'est pas un peu overkill? Over défensif. Over tout. Psyfly non patch de juin aide. Hein. Elle est toujours là. Toujours là, la Psyfly. Toujours debout. Ça, c'est à moi. Bonjour. Goméga Satan pour le plaisir. Bon, on prend les morceaux de clé, hein, ça arrivera sûrement. Faudrait que j'ai une God Room, quoi. Non, mais d'ailleurs... Clic est pas mort. Il est où mon D1? Il est où mon D6? Tintin. Non, c'est important quand même. C'est pour pas louper le Sacred Heart, quoi. Si je loupe Sacred Heart, je l'ai un peu mauvaise. Non. Bah non, parce que j'ai envie de le prendre, en fait. Money égale power, j'ai envie de le ramasser, là. J'aurais dû attendre de booster mes chances de God Room par rapport à Devil Deal, je pense. Avec 90 balles. C'est bien tout le problème, quoi. Plus 0,53. Ah ouais, non, c'est vraiment à chier, quoi. Bon, après, sur Soymic, plus 0,53 de dégâts, c'est du jamais vu. C'est insane. Et je m'attendais à un plus 1. Quand tu tires 27 larmes à la seconde, c'est insane, hein, 0,50 de dégâts. Mais bon, je sais pas, un mauvais goût. J'aurais préféré avoir Sacred Heart. Je suis sûr que lui m'aurait donné plus 1 de damage. Oui, bon, vas-y. Vas-y. Pourquoi pas, écoute, vraiment, vraiment pour faire plaisir. Pour faire plaisir, je prends Psyfly. On le savait, hein, on l'avait vu avec Dreamcatcher. Calmez-vous. On avait déjà vu le Shishanjin en route pendant le changement d'étage. Pour un calcul de DPS. Bah, le calcul est simple, hein. 27,50 c'est le nombre de larmes que j'envoie à la seconde. Et 2,35 c'est le dégât de chaque larme. Après le problème c'est que tu peux rajouter le dégât flat de la Godhead, plus les dégâts de poison, les chances de poison, plus les chances de dents. C'est pas si compliqué à faire, mais... C'est vrai que le calcul s'étend vite. Ouais, speedrun la fin, là, je m'endors mieux sur des runs pourris, s'il te plaît. J'ai surtout speedrun l'ordonnance pour aller te faire acheter les somnifères, hein. Tu vois, hein. On va bien speedrun d'aller chez le docteur pour dormir, hein.
Je veux bien que vous vous endormiez, mais vous allez vous endormir sur ce que je vous propose. Hein. Quand on va écouter du death metal, bah non, on peut pas. Mais... Hop, 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 hop. En plus, sur les runs pourris, si tout le monde dort, moi je fais comment? Moi j'ai besoin de soutien moral. Sur une run à chier, j'ai besoin qu'on m'aide. Hein. Attends, mais on est qu'à Dank Debs 1, hein? Ah oui, non, mais vous avez un peu raison quand même. Pas beaucoup de dégâts. Hein. Bar of soap. Ouais, non, on peut pas aller plus haut. Quoi. On est limited. Super. C'est la première run. Bah oui, mais ça a commencé avec une air key. La Dirty Mind. Somnifère, non. Le sport, oui. Oh, j'avoue, le sport. Bah après, le sport, il faut être conscient qu'on peut en faire. Enfin, je veux dire, il faut, faut connaître son corps. Quoi. Le sport, faut faire attention. Quand t'as pas fait du sport depuis longtemps, aller voir la médecine du sport, c'est pas une mauvaise chose. Quoi. On conseille, on est là, on dit le sport, le sport. Moi, là, avec tous mes délires de médecin, au moins maintenant, je vais courir et je suis en mode, bon, bah voilà, je sais que c'est bon. On m'a dit de reprendre tranquille, mais maintenant que j'ai repris tranquille, je me sens bien. Ah! Ah, ça gratte! Tiens donc! Eh! Quelle belle partie de Binding of Isaac. You. Tiens. Deux de club. Ancien recall. T'as ancien recall avec le D1, c'est plutôt rigolo aussi en vrai. Hein. C'est pareil pour l'apéro, j'étais voir l'alcoologue avant. Je reconnais, c'est une blague de Jean-Marie, ça. Jean-Marie Pognon. Jean-Marie n'aime pas les vaccins, mais il aime bien l'argent quand même un peu. Hein. Gaspille tout ton karma pour la soirée. Après, moi, je pense que le jeu, il me donne. Hein. Ça a toujours été comme ça. Hein. Si le jeu, il donne, je prends. S'il donne pas, je joue. Hein. C'est... Belle partie. Balanced, je dirais. Tiens, on va mettre un peu de pognon là. Regardez mon money égale power, il descend pas. Oui, genre il descend, mais très peu, quoi. Je vais pas aller voir mon item room. Hein. Let's go. Rock bottom, ici. Pourquoi avoir fumé mes chances de god room hein. Je sais pas, j'ai vu mon égal power. J'ai cru que ça allait vraiment partir en steak en termes de dégâts. Et c'est pas tant parti en steak que ça. Un peu dommage, mais c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Tant pis. C'est vrai que c'est Dirty Mind là. Bah, Dirty Mind, j'ai pas trop envie de le jouer en vrai. Hein. Moyen. Hein. Mais qu'est-ce que vous dites? Mais quoi? Vous parlez de quoi? C'est un raid? Vous vous êtes mis d'accord, vous dites des choses, je comprends pas. Merci Blobby pour le prime, des bisous. C'est quoi la vanne? J'ai pas compris la vanne. C'est une ref à un rappeur. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, désolé, j'ai pas la ref. C'est un truc de rappeur 667. Ok. Ok. C'est une vieille ref de rap. Genre, c'est qui le rappeur hein? Attention, là, je me mets en mode papy, là. On sait qui, ton rappeur, là. Équitation. Chris Corleone.
Ok. Du coup, ouais, de fait, là, je suis un peu un boomer. Hein. Escorleon, j'ai jamais écouté. Je suis en boomer mode. Boomer mode. Je connais pas. Enfin, je connais deux noms, quoi, mais... Du coup, c'est pas vraiment une vieille ref. Ou alors, quand vous dites vieille ref, vous êtes en mode une ref nulle, quoi. Bon, chacun ses goûts musicaux, hein. Bam branle. Bam branle. This is the spirit of the night. Je peux pas le prendre, donc il y a pas de musique. On va pas le prendre, on a déjà tout ce qu'il faut, là. Putain, je croyais que j'avais pas le Polaroid. Putain, j'étais en PLS, mais juste le tracker, il va pas bien, quoi. Tot, tot, tot. Vous êtes vieux, monsieur. Bah, je prends 27 ans, quand même, hein, je veux dire. Hein. Ah, ça me paraît plutôt vieux, 27 ans, quoi. Ça me semble être un peu compliqué. Je suis assez vieux pour ne pas rire à une scène horrible de Kaamelott, quoi. Non, en vrai, dans la salle, la scène qui m'a malaisé, là, personne n'a ri. Hein. Ou alors peut-être que mon cerveau a filtré les rires. Mais la scène en question, personne n'arrive. Après, on était moins de 50. Hein, mais... No laughs. Moi, j'ai ri. Ah bon ? Ah bon, mon cerveau a filtré. Alors. Mon cerveau a filtré cette scène. J'ai filtré. Point, point. A plus. Merde, j'ai pas D1 mon Joker à cet étage. Hein. Abyss. Créer des mouches, je sais pas. On pourrait aller chercher un conjoint Ned. Hein. On pourrait aller chercher conjoint Ned. Hein. Mmh. Ah, si, il y a eu quand même quelques rires. Hein. Vraiment, sur l'ensemble du film, il y a eu plus que quelques rires. Hein. Bah, moi, il y a des trucs qui m'ont fait rire. Hein. Pour quelqu'un de plutôt blasé. Hop, 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 hop. Avec le démon Baby du David Lee précédent, c'était bon. Et justement, on n'avait pas découvert récemment que Auto-Turette Baby ne donne pas à Conjoined. Non, c'était un bug qu'on avait eu. Le Joker, bah, tant pis. J'ai oublié un étage de Joker. En vrai, le truc, c'est que je suis déjà Guppy. I am already Guppy. Tot, 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 tot. J'allais en Devil Deal aussi dans l'espoir de trouver mon dernier item, mais déjà là. Womb 2. Ça découpe. Ça découpe bien. Attends. On recharge. On va aller voir le Devil Deal quand même. À cet étage-là, on va essayer de pas oublier. Je sais pas si je vais avoir assez de salle pour recharger. Le pognon ! Ah. Tu comprends que la moitié des choses qui se passent, mais tu prends du plaisir à regarder me voir rouler la run là. Me rouler sur la run. Ah bah, elle me fait chier cette phrase. Hein. Tot, 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 tot. Jockey. Ah, Lump of Coal, hein, c'est toi? C'est pas toi? Abaddon. Ah, la vraie question. C'est est-ce que il va falloir que je revoie le film Kaamelott pour avoir des refs en tête, parce que je sais pas à quel moment, je pense qu'il a fallu que je voie plusieurs fois la série quand même pour sortir des refs. Ou est-ce que là il y a des phrases, je sais pas.
Est-ce qu'il y a des phrases que j'ai envie de sortir là? Ah, je sais pas en vrai. Si objet qui me donne un objet pour la prochaine run et que après tu erres, est-ce que tu gagnes un objet? Ah, je sais pas. Mais est-ce que Eden Blessing fonctionne directement quand tu utilises la R-Key? Je sais pas. Je sais pas. Non, justement, moi j'ai bien aimé les dialogues en fait. Mais je pense qu'il n'y a pas de scènes qui m'ont fait pisser de rire, donc... Non mais putain, mais en plus vous faites exprès de me trigger avec la pire scène du film, là. Au secours. Au secours. Hein. Si ça devient un mème, ce truc, au secours. Hein. Please. Not this. Not like this. Les méguetons. Tiens, tiens. Bookworm. Tiens, tiens, tiens. Not like this. Ding, ding. Le D1, you mon D1, you mon ding. Là. Putain, mais ça marche pas. C'est vraiment à chier des bulles, quoi. À chier. Bien. 25 pièces à chier. Ta-da-da-da. Torn photo. On est d'accord que... Non, ça monte plus, là. Hein. Je suis limited. C'est item bomb à cathédrale, c'est le trinket. Toute cette optimisation, vraiment, c'est pour pas la perdre. Hein. C'est pour pas perdre la partie. On fait vraiment très très attention, là. À ne pas perdre la game. Pas de bêtises. Ouais. En vrai, les wisps, c'est pas mal, mais... pas là, quoi. Ah ! Retournez chercher Joker. 1h10 de run pour un truc qui était win 100%, j'en peux plus. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Qu'est-ce que je suis en train de faire, là ? Qu'est-ce que c'est que cette partie ? Bookworm, Guppy, Soy Meat, Godhead. Ah, les couilles de Keeper. Tarot de Klaus. Ça fait chier, quoi. Tant pis. Merci Antares pour les 26 mois de Prime, des bisous. Par contre, j'arrive pas à inclure les lunettes dans ma vraie vie. Genre, j'étais censé emmener les lunettes au cinéma et je l'ai pas fait. Pas bien. Shishayu, pas bien. Il n'y avait pas les lunettes dans le rétro. Est-ce que j'aime mon boulot? Ah, chier mon boulot. Hein. Non, mon boulot, en vrai, c'est ma raison de ne pas avoir pété les plombs dans la vie, je pense. Parce que... Enfin, non. C'est pas ma raison de ne pas avoir pété les plombs, parce qu'il y a plein de raisons de ne pas péter les plombs, mais je veux dire, il y a une condition suffisante pour péter les plombs, c'était que je travaille dans ce que j'ai... Dans mon diplôme, quoi. Dans ce que allait me donner mon diplôme. C'est pas grâce à mon boulot que je pète pas un plomb. Mais si j'avais pas eu ce boulot-là, c'est sûr que j'aurais pété un plomb. Ouais. Si j'avais eu un autre boulot, donc le boulot prédestiné par mon diplôme, j'aurais pété un plomb, 100%. Donc finalement, j'ai une chance, quoi. Et les rares fois où je suis sous l'aide, où je suis en mode « Ah putain, non, ce soir, pas envie, machin. » Bah soit je stream pas, ce qui est une chance aussi grâce à ce métier. Soit je lance un stream et finalement, une fois que le stream est lancé, ça va mieux. Il y a des fois où t'es en mode « Bon bah là, ce soir, non, j'ai pas envie, machin. »
Et en fait, quand tu lances, t'es en mode, bah non, en fait, genre, ça va. Et puis, tu vois, tu te rappelles à quel point, si je faisais pas ça, je serais sur autre chose. Et cette autre chose me casserait bien les couilles. Hein. Ah. Nécessaire, mais pas suffisante. Après, il y aurait eu plein de moyens de tanker la vie, hein, mais... Il y a Louise, par exemple. Regardez, Louise, ils sont où, les 3K abos? Vous pensez pas à la maison. C'est la nouvelle Ben de Twitch. À Eterna de Twitch. Mais qui engueule pas les streamers, elle engueule les viewers. Transfo mouche. Il y avait la transfo mouche. Ah mais le D6, c'est que j'ai envie d'abord de... Ah non, j'ai pas besoin du Joker à cet étage. Bon, c'est bon, je peux D6 en toute technique d'arrosage. Ah, c'est pas faux. Ah, ah merde. Est-ce que je deviens un hater des répliques de Twitch, peut-être, hein? Enfin, des répliques de Twitch, des répliques de Kaamelott. Peut-être. Sinus infection. Merci Armegui pour les 4 mois. Pour la maison. Merci beaucoup. La maison, bien sûr. Ah ouais, moi je vois tous les jours quelqu'un qui a un travail plus conventionnel, Louise, et je respecte ça énormément, hein, parce que moi je sais que je pourrais pas le faire en fait. Je sais que je me serais fait virer de 15 boîtes, que je serais en entretien d'embauche dans ma énième boîte d'ingénierie là, qui me dirait mais pourquoi c'est déjà votre sixième boîte en 2 ans de... ça fait 2 ans que vous êtes sur le marché des ingénieurs, monsieur. Pourquoi vous êtes déjà dans votre 7e boîte? Bah écoute, parce que déjà quand tu dis le marché des ingénieurs, j'ai envie de vomir, connard. Bah du coup, vous serez pas dans cette boîte non plus. Ah. Dommage. Sans bits pour la maison à Bordeaux. Merci beaucoup. Joker, à Bordeaux, à Bordeaux. Tat. Faut retenir sa haine du métier. Bah, je sais bien, il y a trop de gens qui sont obligés de retenir leur haine du métier et ça dégoûte, quoi. Mais... C'est pour ça, quand à la question, on me demande est-ce que t'aimes ton métier? Oui. Bien sûr. C'est une chance énorme. Et il s'agit d'en profiter au maximum. De cette chance énorme. Je m'en voudrais beaucoup trop de plus pouvoir faire ça, en fait. C'est incroyable, ça vient avec tout un lot de défauts, et c'est... quand vous entendez des gens se plaindre du streaming, des défauts du streaming et de tous les métiers d'internet, etc., c'est vrai, c'est des vraies composantes qui dérangent, il n'y a pas de métier parfait, machin. Il y a toujours des trucs qui sont pas bien, mais une des principales composantes c'est que c'est une chance incroyable, parce que c'est bien quoi, et si tu kiffes le faire, c'est cool hein. Le plus gros défaut du streaming, c'est le côté social. Tu perds énormément de ta vie sociale. T'as l'impression de plus être là pour les gens qui pourraient compter sur toi, entre guillemets. C'est très, très particulier comme gestion. Si t'es du genre à être entouré d'amis, entouré d'une famille et tout, moi je trouve qu'un des plus gros défauts, c'est ça. C'est que t'as l'impression de plus être là du tout pour les gens. Et que ça vient avec son lot de, en gros, tu peux être là pour les gens, y a pas de souci, mais tu peux difficilement te dire, bon bah là, je pars un mois, tu vois. Genre là, un mois, je vais me ressourcer, voir ma famille, mes amis, machin. C'est pas quelque chose qui est vraiment possible, quoi. Tears up. C'est un peu tard pour ça, non? Sinon, après, l'instabilité. Mais l'instabilité, en fait, encore une fois, tu ne dois pas faire de Twitch un métier quand c'est instable. Moi, j'ai eu la chance de terminer mes études d'ingé au moment où je commençais à me lancer sur Twitch, voir si ça le faisait ou pas, et ça l'a fait. Mais si ça avait été instable direct, je serais parti en ingé direct. Parce que voilà, j'avais encore les restes de mon pré-étudiant. Je viens d'avoir mon diplôme, donc je pouvais me lancer sur le milieu du travail par rapport à mon diplôme.
Ça faisait déjà 3 ans que je streamais, ou 2 ans, 2 ans et demi, je sais plus. J'ai continué là-dessus parce que je pouvais me permettre quelques mois de tanker. En plus, je suis arrivé sur Paris, j'étais chez Louise dans sa colocation, j'étais hébergé. Donc j'étais en mode, j'ai tanké quelques mois. Voilà quoi, genre j'ai pu me permettre, et derrière ça s'est bien enchaîné, mais l'instabilité du métier, non. Quand c'est instable, faut juste pas le faire quoi. Et le burn-out, quoi. Après le burn-out, ouais, c'est... En fait, c'est tout un stress, quoi. C'est tout un stress permanent, de peur du burn-out, peur de plein de choses. Mais... Ça se gère au fur et à mesure, quoi. Y'a pas beaucoup de travail où tu peux dire je pars un mois. Non, bien sûr, mais... Comment te dire, hein. La plupart des métiers, t'as ton week-end, tu vois. Le week-end dans le streaming, c'est pas... Tu vois. C'est pas quelque chose qui existe vraiment. On n'a pas fait Mega Satan. Attends, on n'a pas revu de God Room aussi. Oh putain. Dommage. Mais honnêtement, c'est... Le streaming, c'est bien. Hein. Et quand t'as pas envie de venir, tu viens pas. Hein. C'est déjà bien. Hein. Un peu courte la partie, j'avoue. Merci Pibu pour les 100 bits. Hein. La maison à Bordeaux. Ah mais je stream le samedi parce que j'ai pas streamé hier. Oh. J'ai pas stream le vendredi, on a juste fait un interchangement de 2 jours de repos. Toujours mieux que de bosser chez Blizzard. Et bah ça... Ah non, mais après, le travail indépendant, c'est bien. Hein. C'est bien et ça a des défauts, bah, comme tout. Pas de travail parfait. Ah. Merci Tom V pour les 3 mois de Prime, merci, merci. Après, une des composantes cool, c'est que c'est pas un métier non plus de... C'est pas un métier physique. Bah, en fait, c'est physique de streamer, mais c'est pas... Ça implique pas les mêmes caractéristiques physiques que d'autres trucs. Le truc, c'est que c'est dans... En fait, c'est physique dans le mauvais sens de streamer. C'est pas bon pour le corps. Hein. C'est pas bon pour le corps de rester planté sur une chaise à raconter sa vie et à s'exciter dessus. C'est chaud pour aller à Bordeaux si t'as pas à travailler. Voilà, c'est parti, on part demain. Hein. Il y a eu des explications sur le gameplay de Darkest Dungeon 2, il arrive bientôt en plus. Non, j'ai pas lu. On verra quand ça sortira. Oh. Ah. Bien sûr que ça casse. Non, honnêtement, quand tu sors d'un stream de 4 heures, t'es vanné, hein. T'es totalement vanné, t'as envie de rien faire. Mais, c'est pas aussi physique, évidemment, que d'aller tous les matins sur les docks pour soulever des conteneurs, tu vois. C'est pour soulever des sacs et tordre des barres, évidemment. C'est pas le même arrêtement physique. Quoi. Donc déjà, ça, c'est une chance que c'est pas physique à ce moment-là, mais c'est physique côté négatif. Il y a toujours un downside, il y a toujours un truc. Hein. 121, du coup, on va pouvoir tenter la 122 qui sera une run The Lamb. Oh. Tu le voyais pas comme ça, le métier d'ingénieur. Enfin, le métier d'ingénieur, non, tu vois, peut-être pas tordre les barres, mais... Je connais pas beaucoup de dockers qui soulèvent des conteneurs. Bah, Hull qui soulève les conteneurs, hein. Paf. La 122e sera une run avec quoi dedans? Une tête de méga Satan. Ça va, les starts de cœur bleu, on vous dérange pas trop? La tête de méga Satan, c'est... oui et non, quoi. Bon, le start est très mid-tier en termes de dégâts, 3,50 presque, c'est la moyenne. 2,79 de tier rate, je crois que c'est bon, mais c'est un peu la moyenne. Non, je crois que c'est bon, 2,79 de tier rate. La range est bonne, le shot speed est bon, la speed est bonne, il y a juste la luck qui est pas bonne en fait. Il y a vraiment juste la luck qui est pas bonne dans cette run. Hulk, il est docteur, pas docker. Ah ! Ah merde, putain, depuis le début, moi je pensais qu'il était docker. Ah merde. Docker Banner, moi je pensais que c'était... Ouais, ouais, ouais. Dommage. Ah, comme quoi, des fois, c'est des trucs, ça tient à rien. Hein. C'est... On pense savoir, et en fait, non. Hein. Docker Strange aussi, ouais. Tous les matins, Hulk et Docker Strange... Il charge les bateaux. Pour moi, c'était ça. Hein.
Hulk, il est modérateur, c'est un banner en effet. Ah, rigole bien les samedis soirs. Qu'est-ce qu'on se marre? Da-da-da. À moi ça. Stopwatch. Nice. J'avais un peu peur. J'avais un peu peur qu'on me donne pas ma récompense là. Il y a pire que ça, il y a Docker où aussi. On sait pas où il est Docker, mais il bosse sur un port, on sait juste pas lequel. Docker où? Putain. Je suis allé la chercher, mais si loin! Vous voyez ce sentiment de malaise que vous avez eu là? Il y a une scène de Kaamelott comme ça, ça dure 6 minutes. Il y a une scène dans Kaamelott premier volet, ça dure 6 minutes comme ça. Un petit clown, comme ça. A clown! A clowned! Non mais ça a chié ça, putain. Merci Fafnir pour les 4 mois de Prime. Merci pour la brasse qui sèche les larmes. Change les idées, merci Shish Sensei. Putain, mais en ce moment, il y a trop de gens là. Et vraiment. Putain, c'est nique la vie, hein. Il y a trop de gens qui chez qui ça va pas là. Ça, je pense c'est parce que moi, je suis trop pessimiste de base. C'est la chiche déprime en ce moment, là. Tout le monde est dans la déprime, ça me... La période est moche. À chier, la vie. Hold on, hein. Merci Fafnir pour les 4 mois. On a tous besoin d'un Rosco chez nous, c'est vrai. Après, Rosco... Rosco, ça a ses downside aussi en termes de stress de la vie quotidienne, hein. Je peux vous mentir que... C'est quelque chose. Bon, tu m'as saoulé, toi. Rosco, ce n'est pas que... Outer Wilds. Putain, j'avoue, jeudi, là. Jeudi, l'annonce du DLC d'Outer Wilds. Cube of Meat. Est-ce que je peux pas avoir une petite stopwatch? Non. Alors, pas assez d'argent. Dommage. Un power kill mais diablement efficace, c'est vrai. Mais c'est surtout qu'en fait je veux pas trop l'utiliser dans les étages de la tête de Méga Satan parce que sur toutes les salles de piège avec des pics partout, c'est vraiment pas bon en fait. On veut vraiment pas ça. Ah oui, il y a le let's play YouTube de Outer Wilds bien sûr. Oh, en train de tomber malade là. Tiens donc le chien. Eh, tu m'autres. Oui. On parlait de Rosco. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Tu m'as léché les lunettes et tu pues de la bouche. Oh, il pue de la bouche. Oh, et puis il m'a léché les lunettes en plus, quoi. J'ai envie de canner. Tout le monde t'a pète, Rosco. Tout le monde a pète le Rosco. Checker le compteur de sub, ouais, ça, Rosco, il vient, il regarde. Tiens. Rosco, le manager. Donc, je ne suis pas allergique à sa salive. Ah non. Je me suis ramassé des poils sur le visage. Quoi? Putain, mais... De toute façon, j'ai des poils partout à cause de lui. Il y en a vraiment partout. Ah, le compteur de croquettes. C'est ça, c'est en vrai, c'est pet the Rosco, c'est bien parce que c'est vraiment le seul moyen que vous avez de pouvoir le pet. Parce que dans la vraie vie, ça n'arriverait pas. Dans la vraie vie, ça ne pourrait pas arriver, donc au moins, il y a quand même un moyen, quoi. Merci Zmiku pour les 9 mois de Prime. Il a dormi quelques jours, je pouvais pas pet le Rosco. Enfin, maintenant, tu peux repet le Rosco. Merci beaucoup. Cimer, c'est les vacances, là. C'est les vacances, il y a les primes dorment un peu, c'est normal. Faut faire dormir un peu. Faut se reposer, quoi. En vacances, c'est autorisé. Un petit cocktail, et après il revient plus fort. Credit card, c'est bien, très bien, credit card.
Si vous entendez un sifflement, c'est la clim. Merci Slides pour les 3 mois. Mon Prime dormait, merci pour toutes les VOD Isaac. Je rattrape tout ce que j'ai perdu grâce à YouTube. Merci beaucoup Slides. Merci, merci Nibbles pour les 2 mois. Pas envie d'attendre mon Prime, quel plaisir de t'entendre brasser. Merci Nibbles. Merci, merci. Rebienvenue, merci Coma pour les 8 mois. Pas beaucoup de réseaux en vacances dans la campagne du Vaucluse. Je passe pour faire péter le Prime, des bisous. Ah, mode vacances. On le disait, hein, c'était les vacances. Et merci Pampukin pour le Prime. Merci, merci. Bienvenue Pampukin. Des nouvelles du Spirit of Water Steel Soul de Hollow Knight. Il y a moyen qu'on commence ça cette semaine, je pense, ouais. Il y a moyen que ça... Il y a moyen que j'ai envie cette semaine, un soir, de commencer le 20h. Hein. Le 20h Steel Soul. Oh non! Il y a un objet par terre, mais il est nul! De toute façon, j'ai pas de bon. Donc en vrai. Un credit card qui arrive pas loin, là, en balle. Je vais avoir faim après le stream. Parce qu'on a fait un McDo de la honte, là, ce matin. Enfin, ce matin. Enfin, oui, c'était le matin pour moi. Parce que voilà, on s'est levé à 11h30, sorti le chien, puis on est allé directement au cinéma avec le McDo pas loin, là. McDo de la honte, mais pas manger ce soir, du coup. C'est vrai qu'après le stream, là, je vais avoir une dalle. Tiens donc! En fait, là, il y a deux solutions. Je pourrais aussi attendre un étage complètement honteux de la Golden Card pour essayer de credit card à ce moment-là. Gélo. Gélo, c'est bien. Chiche au 20h de TF1 confirmed. Comment ça? On m'avait vu au 20h. Merci Elements pour les 1 an de Prime. Le Prime qui mange des cacahuètes. Cacahuètes pastis. Merci, merci. Comment ça se fait que t'as des vraies batteries? C'était pas ban en hardcore? Non, en hard, en fait, les vraies batteries ont pas mal de chances d'être remplacées par des petites, mais c'est pas garanti. C'est juste, il y a beaucoup de chance, quoi. Tum, 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 tum. Ça faisait partie des équilibrages. Bah j'aurais pas le pognon en fait. J'aurais absolument pas le pognon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement ramasser ce qu'on veut là avec la credit card. Les item rooms sont vraiment pas ouf là. Ah 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 ah, attends. Aïe 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 aïe. Combien de pognon? Combien? Qu'est-ce qui s'est passé là? La Soul of the Keeper from 6 pièces to 50. Aïe 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 aïe. Soul of the Keeper. Paf. Je vais me prendre ça. Hein. On n'a pas les mêmes runs. Hein. Le Shishangin en route. Ah là, il est bien présent là. Bon, par contre, on est d'accord que. Ouais, j'ai pas de bombe. Hein. Si j'utilise le hors-glace à ce moment, il se passe quoi? Bah, je reviens dans la salle d'avant et quand je vais racheter la Soul of the Keeper, elle va me redonner le même nombre de pièces. Je préfère le sablier que Satan. Oh, tous les jours en vrai. Tous les jours, le sablier bleu, je le préfère à tout. C'est sablier bleu, c'est extraordinaire. En vrai, je le préfère pas à un item qui donne de la vie, genre Satanic Bible. Même si à Satanic Bible, ça a changé maintenant, mais... Non, je le préfère de ouf. Trop bien. Hein. Trop, trop bien, le sablier bleu. Trop, trop safe, surtout. Chier, Cube of Meat, t'as chier. Je serais revenu à la salle d'avant sans hourglass. Ah oui, par contre, oui, bien sûr. Je peux rentrer dans le Devil Deal, voir ce qui se passe. Et décider. Il y a quand même le vol. Et il y a le pond. Il y a le vol et un cœur squelettique. Le vol et un cœur squelettique, est-ce que c'est suffisant? Le vol, ça donne de la speed. Un cœur squelettique. Ah, je peux même acheter le pond gratuitement, du coup. Bah, le pond, c'est un peu à chiant. Hein. Un peu à chier, le pond. Bof. Non, moi, je trouve ça pas mal. Hein.
Par contre, est-ce qu'on va aller ramasser ça? Il y a no way que je ramasse les boules de billard. Je m'en plains depuis tout à l'heure alors que ça chie des bulles. Ah! Par contre, on va aller dans la curse. Tu peux même jouer pilule. Hein. C'est vrai qu'on peut jouer pilule. Putain, mais les curse rooms, il y a vraiment plus d'objets qu'avant, ou c'est moi hein? Genre, dans les premiers étages, en ce moment, on a une streak d'avoir des objets. C'est incroyable, je trouve. Le cœur blanc, il partira pas. Ça fonctionne plus comme ça, maintenant. Ok. Toi, oui, pas le commun des mortels. Ah, oh, merde. Le commun des mortels n'a pas d'objet dans la... dans les curse rooms. Vous mentez. Hein. Vous mentez, c'est honteux. Du pognon, du pognon, du pognon. Ce qui est marrant, c'est que le cœur blanc, vous avez vu, il switch. Il va sur le cœur bleu. Si, mais pas souvent. On fera des stats. Vous verrez. On a que des curse tie. Ah ouais, après ça, j'y peux rien. Hein. Merci Melagorn pour le prime. Merci beaucoup. Bienvenue Melagorn. Merci, merci. Bienvenido. Là, ça me gratte le pied. Hein. On sait une run The Limb. Let's go. Merci Ludo pour les 4 mois de prime. Coucou chiche, ça va. Ça va. Merci, merci. Pour les 4 mois. J'espère que ça va aussi. Mais... c'est bordel! Okay. Je m'en mêlais les pinceaux là. Ok, ouais. Je sais pas ce que je vais en faire, mais why not? The world. The world. Ouais. Hein. Poussez-vous! Oh putain, il m'est arrivé un truc de ouf. Oh, un truc de ouf, je sais pas, mais un truc de... un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf, ouf, ouf. Il y a 3 mois, quand j'ai repris la phase de la collectionnite sur MTG, j'avais acheté des bouquins ultra pro pour mettre les cartes dedans. Des binders, quoi. Mais des binders où t'as pas de feuilles, c'est directement... ils sont déjà faits, il y a un zip autour, et hop, tu peux mettre 480 cartes dedans. Voilà. Et c'est des bons binders, et genre, c'est 30€ le classeur, un truc comme ça. Enfin, non, même pas. C'est un truc genre 40€ le classeur, hein, de 480 pages, quoi. Et du coup, genre, ce modèle-là était en rupture de stock partout, mais genre tout le temps en rupture de stock, j'en trouvais jamais, machin. Et donc, en prévision de Donjons et Dragons Magic, je m'étais dit, bon, bah, il faudrait que j'en rachète, quoi. Et sur Amazon, j'en avais trouvé, et c'était genre 15€ le binder, au lieu de 40. Du coup, j'en commande. 15€ le binder, j'en commande. Et je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, livraison Prime, machin? Mais c'était une précommande, genre, c'est un nouveau coloris, il va sortir telle date en juin, machin. Du coup, je commande. Et là, en juin... je me dis, bon bah ça va sortir, c'est cool, et je vois ça n'arrive jamais. Donc je vais sur Amazon, et je vois, oui, la date a été décalée, machin, ça sortira pas. Quelle marque? C'est les Binder Ultra Pro Suède Collection, je crois, hein, les Suèdes. Ceux avec de la Suédine autour, là. Et donc, bah ça n'arrive jamais. Donc je vais voir sur Amazon, et ouais, la date de précommande, elle est décalée. Tu vois. Et là, je fais, ah, d'accord, bon, peut-être c'est trop beau pour être vrai, tu vois. Et là... à chaque fois, ça me disait, la semaine prochaine, vous allez le recevoir, parce que ça, la précommande sera arrivée. Et à chaque fois, je recevais pas. Et à chaque fois, je recevais un mail d'Amazon en mode, ça sort plus tard. Et du coup, j'étais en mode, ouais, arrête, tu te fous de ma gueule, c'est pas que ça sort plus tard. C'est surtout que j'ai acheté un truc à 15 balles quand vaut 40. Et le vendeur va jamais vouloir me l'envoyer, quoi. Et finalement, j'ai vu plein de fois, ils l'ont remis en vente, en mode précommande. Et quand ils le remettaient en vente, c'était genre 40, 45, 50€, tu vois. Et j'étais en mode, putain, mais l'affaire que j'ai fait, tu vois, genre, c'est pour ça, je vais jamais les recevoir. Et finalement, là, cette semaine, ils ont fini par sortir, et bah, je les ai reçus. 15€ le classeur de 480 cartes. Je les ai reçus. Incroyable. Histoire de malade. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Vraiment, j'ai pas mieux, là. Ils voulaient faire annuler les gens. Bah, je pense, hein.
Je pense qu'ils ont... Parce qu'en fait, c'est des... C'était marqué précommande, mais en vrai, finalement, ces classeurs-là, t'arrives à les trouver quand même de temps en temps. T'arrives à les trouver et... Et je pense que c'est juste qu'il y a peu de stock, tu vois. Ils remettent du stock de temps en temps. Donc, incroyable. Je les prends à 16€, Docs Magic, ils font bien le taf. Je les connais pas, ceux-là. T'attends toujours la chute de l'histoire, c'est le vélo rouge, c'est ça, c'est ça. La chute de l'histoire, c'est que j'ai pensé qu'Amazon n'allait jamais m'envoyer un truc parce que je l'avais acheté pas assez cher. Et finalement, au bout de 2 mois et demi d'attente, j'ai fini par le recevoir. Montre, bah ils sont dans le salon là. Ils sont pas remplis du coup ceux-là. C'est des binders grand format, ceux avec 4 pages. Enfin, je crois que c'est fait à la base pour faire des playsets avec 4 fois la même carte alignée sur la même ligne. Et moi, je les utilise juste pour collectionner, quoi. Heureusement que j'étais pas pressé. Bah, j'avais réussi à en acheter sur genre un site de cartes Magic. J'avais réussi à en trouver, mais après, ils en vendaient plus, eux, parce qu'ils en avaient pas. Mais du coup, là, j'en ai 4 d'avance. Mais je crois que ça commence à en revendre un peu à droite à gauche. Oh, j'aurais dû en profiter, je suis trop con. Iron Bar. Parce que là, on peut revenir en arrière, mais il y a une pièce de 10. Il y a une pièce de 10, c'est impossible de revenir en arrière. Il y a une pièce de 10 dans un feu, je prends Iron Bar et la pièce de 10. Là, je peux revenir en arrière, dire non, et du coup, me booster mes chances de planétarium. Mais on va pas le faire. La vidéo de Mythologique sur MTG est incroyable. Putain, je l'ai pas regardé en entier, mais j'avais commencé et c'est vrai qu'elle était bien. Oh, le trinket. Oh, mais les curse room là, allô. Après MTG à cause de moi, par contre, terrible. Hein. Enfin, ce soir là, si je suis chaud, on pourrait faire le paquet scellé là. Ça a tellement mal se passer le paquet scellé. Je sais plus ce qu'on devait jouer. Vert blanc rouge, je crois, avec Minsk. Ça allait être à chier. Ça allait être à chier des bulles, mon paquet là. Tu trouves les classeurs trop gros, tu utilises les boîtes qui permettent de les classer avec des intercalaires. Ah mais les classeurs, même si c'est gros, pour la collection, je trouve ça pas mal. C'est bien de balader dans le classeur, là, c'était joli. Puis il y a des classeurs en plus petit format aussi, pour genre les cartes... par exemple, les archives mystiques japonaises, là. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, TM Trainer, mon œil. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui. Do it, non. Ah non, mais non. Jamais de la vie. C'est ça, TM Trainer. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est de la merde. C'est un item qui s'appelle TM Trainer. C'est sûrement un des pires objets du jeu. C'est sûrement même le pire objet du jeu maintenant, en fait. C'est le pire. C'est celui, ceux qui strictent le jeu, ils savent pas quoi faire si jamais on commence avec. On est en mode, bah, qu'est-ce qu'on fait? On la compte pas, on joue, on la joue pas. C'est tellement buggé, tu peux tellement mourir première salle si le jeu décide de faire n'importe quoi. C'est à chier, quoi. On peut avoir la save pour le mardi Goobit. Ouais, vous me verrez faire pause à un moment. On pourrait la retenir. J'aurais pu le prendre et Hourglass pour nous pranker. Ouais, ouais, sauf que quand je le prends, à tout moment, il se passe des trucs qui font que Hourglass, ça bug et ça fonctionne plus. Donc, bah non. Non, non, non. C'est mort. Pour expliquer, bah c'est un objet qui fait comme le challenge cassé, le challenge 46, là. Donc en gros, après, une fois que t'as TM Trainer, les objets que tu ramasses, ils ont tous un effet, 3 effets aléatoires parmi tous les effets du jeu. Mais les effets, c'est pas que les effets des items, ça peut être les effets des ennemis, les effets de... Ça peut être plein de trucs. Du coup, genre, tu peux utiliser un objet, ramasser un objet, et ça va utiliser plancer et te tuer instantanément. Enfin, c'est... Ah, oh, c'est vraiment à chier, quoi. Merci d'éteindre les feux. C'est très gentil, Krampus. T'as l'Hump of Call pour moi ou tu veux encore me casser les couilles?
Oh, je l'aime pas quand il est comme ça. Oh, je l'aime pas quand t'es comme ça, Krampus. Je te déteste même, en vrai. Je sais même pas si je garde la luck. Les ciseaux, c'est tellement fort. T'avais eu une Damoclès qui pop à la fin de chaque salle. Voilà, par exemple. Quoi. Ça, c'est qu'un exemple. Quoi. En vrai, le A+, vu que j'ai le Blue Hourglass, enfin... Croyez le pire item, Missing No. Missing No, c'est bien de la merde aussi. Mais TM Trainer, ils ont réussi à faire pire que Missing No. Missing No, c'est bien à chier. Ouais. Après, des objets qui te font win instant. Non. Bah oui, avec TM Trainer, tu peux tomber sur des objets qui te font apparaître le coffre de fin, quoi. C'est possible. Mais en streak, ça te sert à rien. Mais dans le jeu, à l'heure actuelle, à part Abel, y a pas d'objet, tu le ramasses et t'as gagné la partie. Hein. Certes, tu penses avoir gagné, mais il peut se passer des choses derrière. Là, on parle d'un objet quand même, tu peux le ramasser et mourir instantanément dans la salle d'après. C'est différent qu'un objet qui va te carry. C'est pas la même chose. Quand t'es pas en streak, c'est rigolo. Oui, ça par contre, ouais, bien sûr. Quand t'es pas en streak, ça passe. On y va lentement hein, dans cette partie là, c'est poussif. Poussifeu, galifeu, bras et gali. Pap 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 pap. Manquerait plus qu'un custom challenge. Hein. Avec tous les objets de bug, le cauchemar. Bah y'en a. Il y a un challenge avec... c'est comme si t'avais TM Trainer. En fait. C'est d'ailleurs celui-là qui le débloque. Nice. Magic Mush, c'est toi? Alors attention, parce que là, sur cette bêtise, je peux totalement perdre ma luck. Je pourrais aussi poser le A+, le temps de recharger le Blue Hourglass, mais... Oh, je suis pas comme ça. Je vais aller chercher un mouchoir, hein. J'en peux plus de remuer. Oulala, je l'avais pas vu lui. Remuer tout ce que j'ai dans le pif là. Small Rock, tiens non. Ça fait combien de runs on a Small Rock d'affilée là? Ça fait beaucoup je crois. Hein. On va le regretter quand on va plus le voir. Hein. Oh non, putain, mais le piédestal de Small Rock qui me chie à la gueule là. Oh là là. Oh, le piédestal. Putain, je vais me moucher, j'en peux plus quoi. Nick. Bonsoir. Écoutez, j'ai réussi à m'immiscer dans le jeu pour venir vous reparler, mais je vous confirme tous les dires. Nous vous rappelons que cette personne, si nous ne lui mettons pas des bâtons dans les roues, cette personne triche et vous ment. Je suis obligé de lui mettre des bâtons dans les roues. À bon entendeur, bien sûr.
Ah putain! Ah, vous avez pris l'acide? Vous en avez profité pour prendre l'acide, quoi. Putain, de piédestal, quoi! Merci Jolamoule pour les 22 mois. Bonsoir le Z. Hein. Je ne suis pas le Z malgré une ressemblance physique évidente. Bien sûr. Ah. Et merci Mitsu Luven pour le Prime. Bienvenue. Tot. Si j'avais seulement rechargé mon Blue Hourglass, quoi. Je me suis foutu dans une sauce. Tout seul, hein. La sauce solo. T'as perdu ta soirée à tenter Jacob et Issou Mother, mais que le jeu aille se faire foutre, hein, merde. Ça passera au bout d'un moment, t'inquiète. Ça finira par passer. La sauce solo. Oh, j'ai faim, là. J'ai tellement faim. À l'aide, un GTLA est passé à la trappe. Hop. GTLA, pas de soucis, suffit de me le dire. J'étais là il y a 3000 ans. Merci Naegis pour les 7 mois. C'est faux, il ne s'est rien passé. Bah je suis allé moucher quoi. Béni, said by le Z, you've been blessed. Vous avez été blessed par le Z. Le jour où le Z est passé dans le chat, vous donnez des messages subliminaux, super. Donc en plus de le bannir de chez moi, va falloir que je le banne du chat quoi. Faire ban le Z du chat. Super. Je peux faire confiance à personne. Toi aussi t'as les allergies. Ouais je pense que c'est la clim là mais... Ouais sinon j'ai grave les allergies aux graminées. Mais ça s'est un peu calmé là. Ça a été très difficile en juin. En juin les graminées c'était... Dès que je sortais Roscoe le matin, là, je revenais avec le pif plein, j'arrêtais pas d'éternuer, c'est trop chiant. Et bizarrement, en juillet, ça s'est pas mal calmé, je sais pas pourquoi, alors que pourtant, il y a plein soleil, les champs resplendissent de merdiers, dont les épillets, là, qui sont une variante des graminées. Donc je sais pas. Tot. Merci pour les 500 bits, en tout cas, griottes, hein. Ça va être possible de faire spawn un deuxième à plus, non, c'est pas grave. Après c'est pas grave, hein. Ouais, c'est pas la fin du monde quoi, mais il y a une force mystique qui m'en a voulu sur ce piédestal, hein. Ça se voit un peu. Le mouvement du piédestal n'était pas normal. Hein. Ça coûte combien sinon ça? 15 balles pour avoir plus de chances de cœur bleu. Ouais, c'est pas extraordinaire quoi. KO, je suis pas sûr. Hein. Non, je pense qu'on prend juste rien, hein, malheureusement. On n'est pas sur notre meilleur Golden Member Card. Hein. Ce sont des choses qui arrivent. Et le tot. Alors ça, par contre, ça fait plaisir. Après, je peux check. Je peux toujours check ce qu'il y a derrière. De la merde. On va aller chercher la Rotten Tomate. Voilà. Mais j'avais le plaisir de pouvoir regarder grâce au Blue Hourglass. Si je prends quelque chose, le trinket disparaît. Ouais, si j'achète. Mais si j'achète pendant que j'ai pas le trinket disparaît pas. C'est un trinket qui te permet de faire un achat gratuit. Un achat gratos. Non, non. Avec KO plus reroll, t'es bien, non? J'ai pas de moyen de reroll. Hein. Je peux pas reroll, là. Hein. J'ai moyen de revenir en arrière dans les salles, mais ça ne reroll rien, en fait. Alors là, pareil, je peux regarder les statistiques que va me donner... Ah, attends, il faut que je sorte d'abord, histoire de pas me faire baiser. Faut que je ramasse le cœur blanc. Et là, je peux regarder les stats que ça donne. Ça me rajoute du tir rate, mais ça m'enlève 0.1 de dégâts. Ça m'enlève un cœur. Alors, je suis pas sûr que ce soit très bien.
Le HP down plus damage down, je suis pas convaincu. Hein. À mon avis, c'est plan Q. On devrait avoir le A+, putain. Avec la machine de reroll. Ah, vous vouliez dire KO plus machine de reroll ? Ouais, ouais, ça aurait pu être bien comme à chier, hein, on sait pas, hein, en vrai. Hein. Ça aurait pu être un peu tout. On aurait pu avoir de tout, malheureusement. Encore ? Elle était moins honteuse, cette Soul of the Keeper. On n'a pas eu de pièce spéciale. Mais deux fois dans la même run. En plus, j'ai la Golden Card. On va commencer à tomber sur Grid au shop, par contre, je le sens. Enfin, justement, on a la Golden Card, donc c'est pas dramatique. Est-ce que, genre, dans le shop de la Golden Card, de la Member Card, hein, pardon, est-ce qu'on peut tout avoir ? Genre, n'importe quel objet du jeu ? Ou est-ce qu'il y a des restrictions ? Parce que je crois qu'on a déjà vu la R-Key ou le Death Certificate à 99 balles. Est-ce qu'on peut tout avoir ? Genre toutes les poules d'objets ever. Tout et n'importe quoi. Parce que des objets de Godroom, on a vu. Des objets de Devil Deal, on a vu. Avec KO, il est possible d'avoir plusieurs items de Planétarium. Je sais pas si tu peux aller piocher dans les items de Planétarium avec KO. J'en ai aucune idée. Ce serait vla fort en vrai. Je sais pas si ça a été ajouté. Ou typiquement, est-ce que tu peux avoir un objet de Planétarium dans la Member Card ? Y a pas le négatif Polaroid, je pense. C'est comme le shop de Grid Mode, peut-être. Je sais pas. Faudrait que j'aille voir le wiki. Parce que j'ai aucune idée de comment ça se passe. Ah, j'en ai pas eu non plus de Planétarium avec la Member Card, donc... Après, je l'ai pas eu souvent non plus, hein, mais... On l'a joué quelques fois quand même. Il y a certains items, non, genre rédemption, c'est pas possible. Ah, même parce que rédemption a un fonctionnement particulier, j'imagine que pour l'Hump of Call et tout, c'est pareil. D'après le wiki, c'est des items de Secret Room, Shop, Devil Angel Room ou Boss Room. Ouais, t'as des objets d'item room aussi dedans, non ? Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Ouais. Pas mal, ça, hein, mais bon. La différence entre la tomate et le charme, c'est qu'un ennemi qui a la tomate sur lui va attirer les autres ennemis... sur lui, en fait. Il va devenir la cible. Tu mets la tomate sur un ennemi, il devient la cible. Alors que tu mets le charme sur un ennemi, il va attaquer ses potes. Du coup, c'est plus fort que le charme. Parce que sur les boss, ça devient vraiment intéressant. Les boss, tu leur mets la tomate, et ensuite, toutes leurs invocations, tous les trucs qui se passent à droite, à gauche, leur pattern, ça leur fait des dégâts. Et ça, c'est insane. Hein. Member Card, t'as eu Sacred Heart en réduit qu'à 10 pièces. Je crois qu'une fois on a eu la Godhead pendant le progress, mais je suis pas sûr. Bon, tu peux tout avoir de d'Item Room et Devil Deal, enfin de Devil Deal et God Room. Typiquement le genre de salle où la tomate c'est trop bien. Mais la tomate sur les bouffeurs de cul là, et ils se tuent entre eux là. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas là. Mais... Each pool has a weight based on the number of items in the pool. Ok. Items like Bomb Bomb and Planetariums are more rare. Mais du coup, tu peux en avoir. Ça paraît dingue. Peut-être avec KO, ça. Ça, c'est peut-être le message de KO, en vrai. La blank card plus une... Ok. Après, moi, j'ai souvent des trinkets à la con, en fait. C'est ça, le problème. The Sun inversé. Dommage. Dommage. Le coupon. Le boom. Vraiment n'importe. Ça pourrait être tellement mieux là.
Je pense que je garde Glowing Hourglass, en vrai c'est un peu malheureux, mais bon. Pour utiliser de façon optique le sablier, je sais pas bien en servir perso. Moi le sablier je l'utilise principalement dans les salles où ça se passe mal. Hein. En fait, le sablier, quand t'as pas trop joué à Isaac, ça sert surtout à revenir en arrière dans les salles où ça s'est mal passé. Tu rentres dans une salle, tu prends trop de dégâts, bah tu reviens en arrière, et comme ça après tu refais la salle en sachant ce qui se passe dedans. Et du coup, en essayant de ne pas perdre les points de vie cette fois-là. Par contre, ce qui est très fort avec le Blue Hourglass, c'est que à terme, quand t'as pas mal joué au jeu, ça permet aussi de ramasser les Curse of the Blind en pouvant bah, techniquement annuler ce que tu viens de faire. Tu rentres dans une item room, tu regardes ce qu'il y a, et ensuite bah, tu peux revenir en arrière. Tu peux tester les pilules avec. Tu peux rentrer dans un Devil Deal, voir si le Devil Deal est intéressant, puis ressortir si c'est de la merde avec Blue Hourglass, et comme ça repartir sur les God Rooms. Tu peux faire plein de trucs comme ça. Tous les moments où tu aimerais annuler une action, ou tout du moins pouvoir faire un truc gratuit, un mouvement gratuit, bah tu peux utiliser Blue Hourglass pour ça. Mais au tout début, tu vas principalement l'utiliser pour... Hein, tu rentres dans une salle, ça se passe mal, tu ressors et tu refais quoi. C'est un peu le move obvious quoi. Le move évident à la base, c'est celui-là, après ça part. Merci Astros Gaming pour les 18 mois, ça se passe trop mal, ça se passe trop mal. En vrai ça va, la run est pas horrible mais je sais pas, elle pourrait être tellement meilleure avec tout ce qu'on a eu là. Comparé à la run d'avant, elle est horrible. La run d'avant était tellement no-brainer. Bird Cage, mais ça sert à quelque chose ce truc ou c'est vraiment à chier quoi. Ça marche pour perfection. Hein. Avec le A+, si t'es chargé, tu perds le A+, dans une salle, tu reviens en arrière, t'as re le A+. Là je pourrais visiter la Curse Room en effet, voir ce qu'il y a dedans. Il y a plein de choses à faire, quoi. Pourquoi je prends pas le pénis contrefait? Ah, mais c'était à cet étage, le pénis contrefait? Ah oui, j'ai utilisé le silver dollar. Oui, on prendra sûrement le pénis contrefait, là. Je vais juste faire le boss, revenir en arrière. J'ai que 3,40 de tier rate. Ouais, c'est la seringue jaune qui, tout à l'heure, voulait me le booster. La tomate! Non, 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 non. Birdcage, nul! Pas de Devil Deal alors que j'ai 72% de chance? Bon, ça va parce que j'ai eu un 36% tôt dans la game, mais chier quoi. Non, le sablier rejoue pas les pourcentages de DD. En fait, le sablier, il refait exactement ce qui devait se passer. C'est à toi de changer derrière ce qui se passe, quoi. Tout ce qui doit se passer dans le jeu, le sablier, il interfère par-dessus. Mais toi, le joueur, à toi d'optimiser avec. T'as pris des dégâts dans une salle, bah à toi de pas les prendre, du coup. J'aime bien l'effet de la concussive barre. Non, j'aime pas du tout. Bah en fait, bon. Ça m'a rajouté un petit peu de damage. Merci les frames d'invulnérabilité. Bon bah c'est parti pour Dank Depths 2 hein, en vrai. Qu'est-ce que c'est que cette run? Une fois t'es rentré dans un Devil Deal, ta Hourglass il avait disparu. Ouais mais en fait ça c'est différent. Parce que rejouer les chances de Devil Deal, là on parle d'une situation où t'as le Devil Deal qui apparaît pas. Une fois que le Devil Deal est apparu et que tu changes de salle, bah c'est trop tard en fait. Tu vas annuler ce qui se passe dans la nouvelle salle. T'es rentré dans le Devil Deal. Donc quand tu vas utiliser ton sablier, tu vas annuler ce qui s'est passé dans le Devil Deal. Tu vas pas annuler la salle d'avant. Là, la question qui est posée, c'est est-ce que tu fight un boss? Le Devil Deal n'apparaît pas. Tu reviens en arrière. Donc t'as annulé la salle du boss. Ah non, tu vas pas rejouer. Quand tu vas rejouer le boss, tu vas avoir les mêmes chances de Devil Deal en fait. Là, toi, t'es déjà rentré en Devil Deal. Donc t'as la salle de boss, elle est déjà validée en fait. T'es sorti de cette salle. Donc c'est fini. Le rôle de Devil Deal a été fait. Et après, ça va juste dépendre de. Quand tu rentres dans un Devil Deal, la chance elle passe à 36%, donc t'as toujours à peu près une chance sur 3 quand tu ressors du Devil Deal qu'il soit encore ouvert. Mais tu peux pas annuler, enfin tu peux pas changer les chances de Devil Deal avec ça. C'est vrai que j'aurais pu essayer de pilule un peu depuis le début de la run, ça m'aurait peut-être donné des tears up.
Stampy. Ouais. Clairement. Ah, mais j'ai faim, mais je suis en train de me rendre compte que j'ai genre une giga vaisselle que j'ai pas voulu faire de la journée là. Et qui m'attend. Oh mon dieu. Oh no! Et du coup, si je veux manger quelque chose après le stream là, il va falloir que je me motive à me dire que ça va rajouter de la vaisselle par-dessus. Oh non! Oh, j'ai pas envie. Oh, j'ai vraiment pas envie. Nos vaisselles. Hein. Salut Chiche, t'étais parti en vacances. Quand ça, je suis parti en vacances là. Ouais, faut me dire. Hein. C'est quand je suis parti en vacances? Demain est un autre jour, tu pourras encore repousser. En 2018, ouais, je suis parti en vacances, ouais. Mets toute la vaisselle dans un sac poubelle et commande de la nouvelle vaisselle. Oh putain. Les pires idées. Uber Eats, pas de vaisselle. Non mais en plus il sera trop tard. Tat. Casser la vaisselle. Faut savoir ce que tu veux. Bah faire la vaisselle, mais j'ai la flemme. Bah, ça me dérange pas de la faire. Mange des granolas, j'en ai plus. Les granolas, à chaque fois que j'en ai, malheureusement, on achète les paquets où il y a deux fois 8 granolas dedans, là, les paquets de 16. T'as que deux paquets de 8 granolas. Et à chaque fois, du coup, je rajoute ça le matin, je prends mon bol de céréales, mon verre de jus d'orange, et je me déglingue un paquet de 8 granolas en plus avec mes céréales dans le lait. Parce que les granolas dans le lait, c'est god tier, quoi. Et du coup, à chaque fois, bah, ça prend 4 jours et il n'y a plus de granola. J'arrive pas à me retenir, en fait. Dès qu'il y a des granolas, c'est terminé. Je les trempe dans le lait, c'est fini. Il y a un biscuit qui n'est pas god tier dans le lait. Je sais pas, le spéculoos. Spéculoos, c'est meilleur dans le thé ou le café, même si j'aime pas le café. Demande au Z de te faire la vaisselle. Il est banni d'ici, il peut pas. Ça, ça sonne, quoi. Ça sonne ? Ah, ça a sonné, c'était Louise. Ah. Les Pimps. Ça fait longtemps que je peux manger des Pimps. Les Pimps c'était incroyable. Il y avait ceux de sous-marque qui étaient meilleurs que la marque. Ceux avec la cerise et le chocolat blanc là. Les Pimps cerise chocolat blanc, c'était insane ça. C'était si sucré et gras. Nutri-score Z. Nutri-score le Z. Pimps framboise, trop bon. Hein. Ignoble, mais non, c'est trop bon ça. Ça c'était insane. Hein. Oh. Ça existe encore, regardez la Tamise Head. Preuve par l'exemple. Nutri-score négatif. T-rate. Comment ça de la range? Et c'est quoi ce foutage de gueule? Mais je crois que les Pimps à la cerise avec le chocolat blanc, on avait eu un débat une fois. Et apparemment ils existent aussi en vrai, enfin en marque Pimps quoi. Parce que pour moi c'était que des trucs de sous-marque, ça n'existait pas en marque. Et finalement des gens avaient retrouvé le paquet je crois. Oh j'ai trop faim, on fait que de parler de bouffe. Au secours. Hein. Gacha tout l'argent et c'était rien, bleu hors glace. Si j'aurais pu, mais bon là, qu'est-ce que je fous de ma thune? On va peut-être avoir un money gal power, mais bon j'aurais juste le seum, mais c'est pas grave. J'ai trop faim, putain. Pimps a sorti une variété poire. Et Pimps a la poire.
Merci Slides d'offrir un sub à Atorven. Merci beaucoup. J'ai loupé Astros Gaming d'ailleurs pour ces 18 mois, ça se passe trop mal. Quoique si, non, je l'avais dit. Merci beaucoup. Merci Slides. Le terme sous-marque me trigger. Ouais, je sais pas, moi aussi j'aime pas ce terme, mais j'ai toujours connu que ça. Pas la marque mainstream, quoi, les autres marques. C'est vrai qu'elles sont pas under. Pour la plupart, il y a plein de bons produits. Il y a des produits que j'ai jamais. Genre le jus d'orange. Le jus d'orange, tu peux le faire toi-même avec des putains d'oranges, c'est le meilleur jus d'orange ever. Mais si tu veux du jus d'orange industriel, en vrai, à chaque fois, ils sont trop acides ou amers. Marque générique comme les médocs, ouais. Il y avait quoi ici? Rien. Hein. Un cœur noir et puis de la merde, quoi. Ouais, le trinket est pas mauvais. Hein. J'ai envie de raviole. De dauphiné. Au comté. Avec de l'huile d'olive et du piment. Non. Après, j'ai des palmitos au pire. Hein. S'il y a que ça, je peux me chercher des palmitos. Hein. Les chamonix dans le lait, c'est peut-être god tier. Hein? Mais les chamonix, c'est dégueulasse! Comment ça, les chamonix? Ah! En fait, je crois que le vrai problème des chamonix, c'est qu'à chaque fois que j'en ai mangé, c'était chez des grands-parents et ils étaient genre tout secs ou verts depuis 10 ans. Et du coup, genre, en plus d'être dégueulasses, ils étaient tout secs. Parlez bien des palmitos, vous savez pas de quoi parler. Si vous parlez mal des palmitos, vous savez juste pas, hein, vous connaissez pas. Hein. 14-18 les chamonix, clairement. Les chamonix, c'est clairement 14-18, hein. Les McVitie's imitation granola, j'ai déjà testé, ouais. C'est un peu plus sec, mais c'est vraiment pas mal. Les McVitie's, j'en ai pas mal bouffé, ouais. T'avais mieux. T'as les McVitie's imitation granola avec la couche de caramel en plus. Alors là, c'est... Oh, c'est directement dans les artères, hein. Ça bouche les artères instantanément. Merci Wizgael pour les 51 mois. Énorme, merci pour les 51 mois, merci, merci. Ils le font plus, ça hein? Je sais pas regarder. La vidéo des tier list des gâteaux avec Mintos est disponible. Bah ouais, bien sûr. Tout ça n'a pas bougé, hein. Tout ça est toujours là. Les vrais tier list. Les kangous. Ah, les kangous, c'est bon, mais c'est le piège aussi. Là. Ah là, les kangous. Les kangos, non? C'est pas les kangous, c'est les kangos. Les kangos, c'est le piège dans le lait. Oh, c'est pareil, ça c'est un paquet, un bol. Un bol de lait, un paquet de kangos. Il peut pas en fait. C'est impossible. C'est l'unité boîte, c'est ça en fait. C'est malheureusement, c'est des produits que tu ne peux pas consommer autrement que par la boîte. Ouais. Tu ouvres la boîte, il n'y a plus de boîte. Terminé. Les dinosaures. Putain, les dinosaurus, j'en avais racheté l'année dernière et ils étaient dégueulasses. Pas du tout comme dans mes souvenirs. Et j'en avais racheté une autre fois et ça allait mieux. Mais la toute première fois que j'ai remangé des dinosaurus, je les ai trouvés immondes. Vous avez changé la recette, on en avait parlé de toute façon. Alors que les animaux de Cadbury, eux, n'ont pas changé. Toujours le même délire, quoi. Le petit biscuit, là, fondant avec le chocolat, la couche derrière, dessiné en animal. Quoi. Ça, c'est meilleur que les dinosaures, ouais. Moi, j'aime bien les animaux. Merci Magic White pour les 32 mois. Merci beaucoup. À l'ancienne.
À l'ancienne, merci. Les petits chats, surtout. J'ai faim. Au secours. Les princes de Lu. Prince de Lu. Immondice. Horrible, dégueulasse. Dans le lait, Estia. Les princes de Lu. Immonde. Et dans le lait, Estia. Dès que tu les mets dans du lait, c'est incroyable. Mais dehors, enfin... À l'air libre. C'est immonde. Après, quand t'as que ça qu'à bouffer, c'est bon, hein. Parce que là, on est quand même en train de faire les pires discussions, mais oui. 14-18, quoi. 14-18. Sans lait, 14-18. Les BN, pareil. Je crois que j'ai jamais... Je me rappelle pas des BN dans le lait. Je m'en rappelle pas. Mais les BN, moi, j'avais une nourrice qui a... Une nourrice. Est-ce que c'est le bon terme? Une nounou. Qui venait me chercher à l'école. Elle m'amenait des BN à la fraise. Alors, je me rappelle, quand j'étais petit, je mangeais les BN à la fraise. Une nourrice. J'avais une nourrice. Écoutez, elle a fait mon éducation de 8 ans jusqu'à mes 15 ans. J'avais juste une nounou qui venait me chercher à la fin de l'école et qui me ramenait chez moi. Elle m'a mis des BN à la fraise. J'aimais bien les BN à la fraise. Ma gouvernante. Les BN, mais sans rien dessus. Ça, c'était 14-18. Merci la lune pour les 3 mois de Prime. Le Prime n'a pas le temps de dormir. Merci, merci. Merci Failruin pour les 11 mois et bientôt l'année. Merci beaucoup. Re-bienvenue à vous deux. Elle m'a amené aussi des Kinder Délices. Et quand j'étais petit, j'aimais bien les Kinder Délices. Et je crois que maintenant, il n'y a pas de Kinder en dessous que les Kinder Délices dans les tier list de Kinder. Kinder Délices, le pire Kinder. Ceux de l'époque étaient meilleurs, bah parce qu'on était petits, quoi, mais... Non, on dit pas nourrice, on dit nounou, je crois, nounou. Attends, mais j'ai lu un truc dans le chat, j'ai failli canner, quoi. J'ai lu un truc dans le chat, j'ai... J'ai failli canner. On l'a tous lu. Fun fact. Aïe, aïe, aïe. Envie de canax. Non mais c'est... Non mais non. J'enlève tout de suite. Je mets des œillères. Je mets des œillères. J'ai pas lu ça. Je n'ai pas lu ça. Hop. La prison. Directement. Le tainted message. C'est un coach, hein. C'est un message coach. Hein. Parce que écrit comme ça, on a l'impression que ça s'est bien passé, mais ça peut être un drame. Hein. Merci Mélena pour les 2 mois. Merci pour la brasse, un plaisir d'être ici. Merci beaucoup Mélena, bienvenue. Givre, 3 mois. C'est un Eurasie en effet. Pour l'exclamation Roscoe. Merci Tyrene Feob pour les 21 mois. Merci Yasai FR pour le sub, bienvenue à toi. Merci, merci. Dans Fun Fact, il y a fun. Oui, c'est ça, tu vois. C'est qu'il y a le Fun Fact détendait l'atmosphère, mais en vrai de vrai. Après, il peut y avoir plein de contextes, toi. Tu peux la revoir des années après. Bref, les Kinder Délices, dégueulasse, quoi. En fait, ça devrait même pas s'appeler les Kinder Délices. Ça devrait s'appeler les Kinder Dégueulasses ou les Kinder Immondices. Les Kinder Pas Bons. Les Kinder Not Délices. Kinder dégueulisse. Kinder Country, insane. Kinder Pingui, insane. Kinder Choco Fresh, insane. Kinder Maxi King, insane. Ah, j'avais goûté les Kinder Cards aussi, pas mal.
peut mieux faire, mais ok, tiers. Kinder Maxi, classique. Kinder Supplice. Ah, c'est ça, en fait. C'est celui-là, le terme. Kinder Supplice. Kinder Bueno, c'est trop, c'est... Kinder Bueno, c'est déjà, faut qu'il soit frais. Kinder Bueno chaud, c'est dégueulasse. Et Kinder Bueno, je sais pas, il y en a trop eu. Il y a trop eu de Kinder Bueno. Ils ont pas mal changé les Kinder Delice depuis 20 ans. Alors que les Ferrero. Ferrero Rocher, Ferrero Rocher, bon, c'est un peu... Les Ferrero, c'est God tier. Je préfère les Raffaello à la noix de coco. Hein. Les Raffaello imbattables, boss. Hein. Les Raffaello à la noix de coco, ils sont insane. Hein. Les variantes avec pistache et tout, là, incroyable. Merci Cybercross d'offrir un sub à Thomas. Merci beaucoup. Merci pour le sub offert. J'en mange 3, puis t'es dégoûté. Moi, bon, les Ferrero Rocher, ça me fait un peu ça. Ouais. Ferrero Rocher, j'en mange 3, je suis dégoûté. Les Duplo. Ah, les Duplo, c'était pas mal, je crois. Les cookies granola, insane. Les cookies granola, trop bons, mais il y a mieux. Il y a les cookies Pepper Rich Farm Remembers. Alors, ceux-là... Putain, mais j'aurais dû prendre le whole bandage. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah, mon chéri, immonde. Ah, mon chéri, c'est pas bon, putain. Mon chéri, ça pue le sexe, quoi. Oh. Ça pue le sexe, mais sans le sexe, quoi. Ah non. Ah, de toute façon, tout ce qui est à la liqueur, berre quoi. À la limite, bon, mange un chocolat et bois une liqueur, mais les chocolats à la liqueur, non, non, non. Sûrement pas, quoi. À la limite, en vrai, voilà, un petit calva, un petit chocolat, pourquoi pas, hein, mais... Les chocolats liqueurs, bon après, les liqueurs, c'est moins fort que le calva. Les Pepper Rich Farm, il y avait ceux à la menthe. Jamais goûté. Un Pepper Rich Farm, ceux au macadamia, c'est imbattable. Hein, c'est... Imbattable. Pepper Rich Farm, macadamia, ceux au chocolat blanc aussi, imbattable. Ils sont vraiment trop bons. Après, ils sont trop chers. Hein, c'est... Tu t'achètes ça. Moi, les Pepper Rich Farm, c'est deux fois par an. Quoi. Deux fois par an, les cookies Pepper Rich Farm, c'est, t'as l'impression d'avoir la montre de Nadal à 900 000. Hein. En mode, oh, putain, je mange des cookies Pepper Rich Farm. Trop bon. Et puis aussi parce que là, c'est du one hit combo quoi. C'est... T'ouvres la boîte de Pepper Rich Farm, il y a deux cookies, puis le... Non, je sais plus, il y en a quatre, puis un petit truc en plastique, puis il y en a quatre. Bon bah voilà, c'est one hit quoi. Les Pyrénéens. Les Pyrénéens, c'est trop bon, mais faut que ce soit frais. Si c'est pas frais, c'est dégueulasse. Mais les Pyrénéens, c'est même tiers que les Chocobons. T'en manges trop, puis t'as envie de vomir. Hein. After Eight, trop bon, pareil, faut que ce soit frais. Cookies du Subway. Ouais, les cookies du Subway sont bons aussi. Hein. Ça se met au frigo, les Pyrénéens, ouais. Je suis bien d'accord. Putain, ce trinket-là, je l'ai tout le temps en shiny. Chocobon, c'est le piège. Il y a meilleur que les Chocobons. Il y a les œufs Kinder, mais que tu peux pas acheter en boîte, là. Il y en a que à Noël dans des packs. C'est genre les chocobons V2, les Tainted Chocobons. Des espèces de petits œufs Kinder, là. Mais pas les chocobons, les autres. Ça, c'est encore meilleur. Les Circus. C'est les Circus. Mais genre, tu peux les acheter, ceux-là? Kinder Circus. Introuvable, sauf à Pâques. Ouais, ça, extraordinaire. Kinder Circus, trop bien. Tu les vois qu'à Noël. Hein. À Noël ou à Pâques, du coup. Le tips, les Kinder Bueno White, même goût.
Non, Bono White, j'aimais bien. Hein. On the world. Voilà, pire phase que j'ai eue, mais vraiment la pire du pire. Et c'est une vraie phase, hein. J'adore ça, tu me la remets là, je déglingue comme jamais. C'est les tablettes de Milka au tuc. On avait une machine à l'Enserb, l'école où j'étais là. On avait une machine, donc il y avait les sodas et tout le merdier. Mais il y avait aussi la machine à snack. Et dans la machine à snack, il y avait les... Personne mangeait ça. Donc tout le monde prenait les Kinder Bueno et machin. Mais il y avait les plaques de Milka. Donc genre, il y avait 8 carrés, tu vois. Enfin, c'est même pas 6 carrés, je sais plus. Je crois que c'est 6 d'ailleurs, de 3 rangées de 2. Et c'était des plaques de Milka au tuc. Et des fois, il y avait la variante avec juste les plaques de Milka au lu, enfin au... Bah, au... Les plaques de Milka au Nantais, là, enfin comment ça s'appelle, les petits beurres, quoi. Mais au tuc, avec le petit goût salé en plus, c'est... Oh. Et tous les jours, je finissais, on était au foyer en train de jouer au jeu de société, ou au Perudo, ou en train de réviser, faire un TD, ou je sais pas quoi. Tous les jours, je finissais par aller à la machine, et je mettais 1 euro, et je prenais mon tuc Milka. Et ça, pendant des mois, quoi. Milka tuc, ça existe vraiment, mais c'est insane, mais genre vraiment, c'est... Moi, je faisais à l'époque de la prépa, je faisais tuc Nutella. Et en fait, c'est pareil. Moi, quand j'ai vu tuc Milka, je me suis dit, putain, mais ils ont compris. Parce qu'à l'époque où je faisais tuc Nutella, il n'y avait pas les tuc Milka, ça n'existait pas. Moi, j'étais là, je beurrais mes tucs de Nutella en rentrant de prépa, au lieu de chialer, je mangeais ça, je disais, putain, oui, c'est de la merde. Et voilà. Et après, des années plus tard, enfin, quelques années plus tard, deux ou trois, j'ai vu les tucs Milka, et là j'ai fait, mais voilà, en fait, ils ont tout compris. Alors par contre, voilà, vous faites pas influencer par ça, hein, je veux dire, c'est dans les artères directes. Hein. C'était moi le mec qui achetait les tucs Milka, oui. Mais malheureusement, il n'y en avait pas assez souvent, c'était trop souvent les tucs, pas les tucs, mais les Milka petits beurre à l'Enserb. Mais tucs... Ceux au tuc, hein, quand même. Après, ça critique le pain maillot pain de Mintos. Après, c'est un vrai produit, hein, je veux dire, c'est... Encore une fois, montrez-moi un endroit qui vend pain maillot pain, quoi. Là, on parle d'un produit brandé, il y a une marque dessus et tout, hein. C'est même un conglomérat de marques. Tuc Milka. C'est un partnership. Je veux dire, est-ce que vous avez déjà vu un partnership Heinz-Harris? Tu vois, le fameux pain maillot pain vendu par Heinz-Harris. Putain, mec, tous les midis à l'Enserb, j'allais à la machine et je me prenais un petit Heinz-Harris, non? Bah non, en fait. Ça n'existe pas. Fais gaffe, car Heinz fait des glaces au ketchup. Ouais, bien sûr, mais why not, hein? Bon, je prends Rin. Mais pain maillot pain, non? Pain maillot pain chez vous, quoi. C'est comme manger le paquet de nouilles instantanées sans les cuire. C'est chez vous, quoi. On fait ça de notre côté. Point, 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 point. Il y a des gens qui font ça. Moi, je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait plus d'une fois. Quand j'avais pas le temps et que je jouais à Diablo 3 en école d'ingé, j'ai mangé plusieurs paquets de nouilles instantanées sans les cuire. Hein. Faites pas ça. Vraiment, c'est pas bien. Hein. C'est comme des chips, quoi. Comme un snack. Je les mangeais pas comme un plat principal, mais je les mangeais comme un snack. C'est en mode comme des chips que tu trempes dans la petite sauce, là. Enfin, pas la petite sauce, mais la petite poudre. Mais PTDR, ah non, mais c'est true story, hein. Après, à chaque fois sur le chat, on trouve des gens qui l'ont déjà fait. C'était vraiment instantané, les nouilles instantanées. Snack bar chez Chichi, 1 sur 5 étoiles. En vrai, c'est le pire truc culinaire que j'ai fait. J'ai pas fait pire. J'ai vraiment pas mangé pire que ça. En termes de trucs honteux, c'est le pire truc que j'ai fait. Et pourtant, j'ai fait des trucs honteux. Tint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 
Jambon Nutella Gruyère. Hein? Oh merde. Je faisais ça en école primaire. Mais... Hein? À l'école primaire, qui ne te surveillait pas pour manger des nouilles instantanées crues? Comment ça, à l'école primaire, t'as mangé des nouilles instantanées crues? Qui a permis ça? Oh, le Galak. Bah, Galak, c'est bon, mais c'est écœurant. Hein. Tout le monde faisait ça à mon école primaire aussi. Je sais pas, moi, à mon école primaire, il y avait un type, il bouffait de la colle, mais... Il mangeait pas des paquets de nouilles instantanées crues, quoi. Le pire, je pense que c'était la phase bonbon. Fin du collège et lycée. Au collège, j'étais pas loin d'un Super U à Caen. On allait tout le temps, à la fin du collège, en 3ème, on allait tout le temps au Super U acheter des bons becs. Et au lycée, on était pas loin du Leclerc. Du coup, pareil, on allait tout le temps lire les mangas, l'espace culturel et acheter des bons becs. Manger masse bons becs. Je l'ai bien payé. La langue défoncée pendant 3 jours, c'est ça. Manger les trucs qui piquent là. Ah, ceux-là. Ceux qui piquent. Pas les bublis, mais les autres là. Les plaques rouges de chez Lutti là. Pas l'influenceur, hein, les bonbons. Pas les têtes brûlées, non, les plaques rouges. C'est des plaques en forme de. C'est des petites ficelles. Ça fait des rectangles, ficelles. Les fils, ouais, je sais plus. Les tapis, ouais, moi j'appelais ça les tapis aussi. Les langues de chat aussi, ouais. Ah, les langues de chat. Bah, moi, tous ces bonbons-là, je les adore, mais à chaque fois, j'en mangeais trop et j'avais plus de goût. Ça, c'est un peu comme le Covid, tu perds le goût après. Tu perds le goût et t'as mal, t'as des aftes. Mais le pire truc que j'ai fait, c'était chez Cdiscount un vendredi. J'étais tellement content d'être en week-end, je sais pas pourquoi, j'avais vraiment passé la pire semaine Cdiscount tiers de stage de ma vie. J'avais acheté un paquet de têtes brûlées extra fortes, là. Et j'avais mangé tout le paquet. Toute l'après-midi, avant de partir en week-end. Je suis arrivé à Paris, chez Louise, et pendant tout le week-end, j'avais des énormes aftes dans la bouche. J'étais en train de douiller comme jamais. J'ai mangé tout le paquet. Pendant 2 semaines, j'ai pas pu manger un truc acide, c'était horrible. À la pomme, non, je sais plus, j'avais pris celle au citron, je crois, qui pique bien, là. Je m'étais défoncé, hein, j'aurais jamais dû faire ça. Pap, pap, pap. Oh, les dragibus. J'ai une anecdote avec des dragibus. Chez le fameux cousin que j'allais voir tous les week-ends, on s'est fait des bouffes honteuses avec mon cousin. Très hâte de le revoir pour refaire des bouffes honteuses. Mais il y avait des fois où on se disait, bon bah là, toute la soirée on va regarder Kaamelott et jouer aux jeux vidéo. Il y a pas les parents. Vas-y, on va faire n'importe quoi. On va acheter n'importe quoi comme bouffe. Donc on allait... On allait au champion là, c'était plus le champion, mais ça c'est... Le champion était devenu Carrefour ou je sais plus, Intermarché. On a toujours appelé ça le champion. On allait au champion là. Et on achetait genre des nouilles instantanées, mais des nouilles instantanées quoi. Celles-là, là on les mangeait cuites. Hein, on achetait des paquets de Pringles. On achetait des boules de mozzarella et genre on faisait mozzarella Pringles, trop bon. Genre on prenait la mozzarella en boule entière comme ça, on coupait. En tranche, et on faisait Pringles mozzarella. Et on achetait aussi genre des bonbons, des trucs comme ça, et on passait la soirée à jouer et à manger de la merde. Et en fait, une fois on s'était acheté, parmi tout le merdier qu'on avait pris, on avait pris des dragibus. Et on avait bouffé chacun un paquet de dragibus entier. Il a vomi toute la nuit, et maintenant dès que tu lui parles de dragibus, ou qu'il y a des dragibus pas loin, ça a pas une forte odeur, mais ça lui met tellement mal. Il a bouffé tout le paquet de dragibus, il a vomi toute la night. Et il veut ouvrir un restaurant. Mais je veux pas ouvrir un restaurant, moi, calmez-vous. J'ai changé depuis. Eh, on n'est pas bizarre, il n'y a pas de king shaming dans la bouffe. Hein. Ah, on a fait des expériences, on était jeunes. Hein. Moi, je me droguais pas, mais je mangeais n'importe quoi. Hein. Ça fait pareil mais avec le pastis. Oh, il a fait pareil avec le pastis. Mon cousin a fait plus d'expérience que moi. Enfin, j'ai pris une cuite au pastis aussi dans ma vie, mais pas la même que la sienne.
Fingles Mozza, ça choque que moi. En vrai, c'est trop bon. Hein. Ah. Et trop bon les Dragibus. Colle bien aux dents là. Il y a vraiment une semaine. Il y a une semaine avec ce. Avec ce fameux cousin. Où pendant les vacances d'été, entre deux années de prépa. Pendant la prépa, je le voyais pas beaucoup parce que du coup, j'allais plus le week-end chez mes grands-parents. En prépa, je bossais le week-end. Je restais chez moi. Chez mon père. Hein. Enfin, lui, aller chez mes grands-parents. Et du coup, bah, je voyais beaucoup moins souvent mon cousin. Je le voyais genre pendant les vacances, comme ça. Et donc, entre deux années de prépa, mon père part l'été une semaine en Espagne. Du coup, je me retrouve avec l'appart tout seul. Et je dis à mon cousin, bah, vas-y, là on se loupe pas. Tu viens une semaine chez moi. On sera tout seul. Je vais inviter des potes. Des fois, on fera de la musique. On va faire des soirées, machin et tout. Donc, il est venu chez moi. Et pendant toute la semaine, on a joué aux jeux vidéo, machin. Mais pendant toute la semaine, on a fait... un marathon de malbouffe que je ne ferai plus jamais de toute ma vie. Le marathon de la malbouffe de si tu le fais après ton adolescence, tu meurs. C'est terminé. C'est fini. Tu finis chez le cardiologue direct. On a fait genre tous les fast-food possibles en une semaine, je pense. Et le pire... Ah bah attends, bah je prends trop de dégâts là. Le pire dans tout ça, je crois que c'était le dimanche, pour conclure. On avait un coupon pour le Domino's. Je crois que c'était genre 3 pizzas larges au Domino's. C'était que jusqu'à midi. Enfin, que le midi. Tu pouvais pas le... Parce que ça fermait l'après-midi et ça rouvrait le soir. Le coupon était valable que jusque le midi, quoi. C'était genre 3 pizzas larges pour pas cher du tout. Et du coup, on s'était couché, je sais plus, à 6h du mat. Parce qu'on avait joué à Gears of War toute la nuit. Et on s'était quand même réveillé à midi pour aller chercher les 3 pizzas larges et les dégommer à la maison après avoir bouffé n'importe quoi toute la semaine. On avait même fait un buffet, ah oui, on avait fait un buffet à volonté dans un restaurant chinois. Quel cauchemar. Merci, j'ai rigolé pour les 3 mois, merci beaucoup. Origine aussi, je raconte ma vie là, merci pour les 7 mois. Mon prime est un prime qui ne dort jamais, merci beaucoup. C'était vraiment n'importe quoi. C'est des trucs, tu dis, mais on était vraiment con quoi. Vraiment con. Des cons. Quelle vie de gamers, ça. La vie de gamers. Tintin. Mais j'étais vraiment capable... Ça, c'est parti un peu maintenant, hein, mais... Quand j'étais ado comme ça, et que je faisais pas mal de sport, j'étais vraiment capable de, genre, dégommer 2 larges de Domino's et être normal, tu vois. J'étais là, j'étais en mode, bah, je mange 2 larges de Domino's, tout va bien, quoi. Je mangeais le seau de 20 tenders du KFC, j'étais en mode, bah, tranquille. Je sais pas, genre ça me paraissait normal. Genre, bah ouais, ça va quoi. J'ai la dalle, ouais. Maintenant, bon. Je mange une large, je suis bien quoi. Je suis bien calé. Je mange une médium, je suis bien quoi. Et parmi toute la semaine, là, je me rappelle qu'on avait fait un. On avait fait un délire. On avait essayé de mettre le plus de paquets de nouilles instantanées dans une seule casserole. Je me rappelle que j'avais déglingué les plaques à induction et que j'avais mis 3 jours à les laver. On avait rentré je sais plus combien de paquets de nouilles instantanées dans une casserole. Et après on avait pris l'énorme plâtrée de pâtes et on s'était mis un chacun. Moi j'avais rajouté du piment et tout dessus. Des cons hein, des cons. Des jeunes cons. Pourquoi, on ne sait pas, mais on s'est dit voilà, si on le fait pas, on ne saura jamais à quoi ça ressemble en fait. À quoi ça ressemble de mettre 20 paquets de nouilles instantanées dans une casserole? On ne sait pas. Bah maintenant on sait. Voilà. Sport croissant, c'était pas la même aussi. Bah oui, non mais clairement. Mais c'était dingue parce que vraiment je bouffais, mais c'était. Après je mangeais pas beaucoup le midi. J'ai jamais beaucoup mangé le midi, donc quand j'allais à la cantine en prépa, je mangeais pas beaucoup. Surtout que la cantine était dégueulasse. Où je mangeais genre mon plat et je trempais mon yaourt dans le pain et j'étais content, ça me faisait mon repas du midi. Donc je mangeais bien le matin.
Mais le soir, quand je rentrais, mon repas un peu classique du soir, il y avait toujours... Mon père achetait une baguette de pain, donc soit il allait la chercher au boulanger à côté, des fois il prenait une baguette de chez Paul, parce que c'était un peu mon kink, les baguettes de chez Paul. Et tous les soirs, je dégommais genre quasiment une baguette entière de pain avec du beurre et du lard d'hameur. Donc si je la mangeais pas en entier, je mangeais genre les trois quarts ou les deux tiers. Donc une baguette entière quasiment. Plus des tomates mozzarella, donc fromage encore en plus. Et après le plat. Et genre souvent le dimanche c'était toujours... Le dimanche en prépa, toujours on faisait les pâtes au thon courgettes. Extraordinaire recette, je vous la donne très rapidement. Prenez une poêle, huile d'olive au fond de la poêle. Faites revenir des courgettes bien coupées finement dans une poêle. Vous les faites revenir. À côté de ça, vous préparez évidemment de l'eau pour les pâtes. Faites cuire les pâtes. Dans les courgettes ensuite, une fois qu'elles sont bien cuites et qu'elles ont bien pris l'huile, à la limite, vous virez l'excédent d'huile. Hop, vous rajoutez de la crème fraîche, du thon, des oignons si vous avez envie, machin, un peu de vin blanc si vous avez envie de vous faire chier. Vous rajoutez les pâtes dedans, vous faites la dernière minute de cuisson des pâtes dedans avec l'eau de cuisson des pâtes. Et hop, pâte au thon, courgette, crème fraîche. Et ça, c'était tous les dimanches. Mais tous les dimanches, j'avais un comment on appelle ça, un espèce de ramequin en terre cuite que tu mets au four, là. Mon père faisait genre 400 grammes de spaghettis aux courgettes thon. Et je dégommais le plat pendant une heure et demie. Genre, je regardais Friends ou je regardais How I Met Your Mother devant le PC. C'était le dimanche, j'arrêtais de travailler. Le dimanche soir, c'était fini. J'arrêtais de travailler, j'allais me coucher après. Et genre, pendant une heure et demie, je me bouffais le ramequin de pâte au thon comme ça en regardant des épisodes de How I Met. Ça devenait froid, mais je m'en foutais, je mangeais, quoi. Je sais pas. Une terrine, ouais. Et souvent, avant, je mangeais déjà l'entrée, tomate mozza et tout, je sais pas. C'est tous les dimanches. Tous les mardis, c'était la Kipika de chez Domino's, à 8€, mardi fou. Tous les mardis, c'était mardi fou, Kipika. Et tu t'es pas écœuré à force? Non, j'adore ce plat. C'est vraiment un de mes plats préférés, j'adore le faire. Jamais écœuré par ce truc. Surtout quand on a fait des variantes, des fois, où on rajoutait aussi des poivrons, des champignons. Je sais pas, c'était mon délire. Et je bouffais ça, là. Je bouffais un plat qui pesait genre 800 grammes. Et je bronchais pas. Le lendemain, en cours de maths, à 8h quand même, je digérais un peu. Hein, fallait... Voilà. Je digérais dans le bon sens, hein, pas dans le sens où c'est trop chiant. Mais je digérais un peu quand même. Comme thon, le thon en boîte naturel, hein, classique, quoi. Celui que je sers le plus, là. GG pour 722e, merci pour les GG. Merci, merci. Petit roupillon, là, je sais, petit somme en cours d'anglais. Ah, d'ailleurs, j'ai pas de thon, là, je peux pas aller me faire des pâtes au thon, quoi. En même temps, les cours de maths le lundi à 8h, même sans manger la veille, ça digérait souvent. Ouais. Pourquoi mettre du thon sur des pâtes quand tu peux le mettre dans une demi-pêche au jus? Oh non. Épinards à la crème avec un fond de moutarde et du lard fumé sous les épinards. Pour une tarte? Ouais, je prendrais la même sans le lard. Je suis pas très lard. Oh. Oh. Au revoir YouTube.